Bien, si vous le souhaitez, on va pouvoir commencer pour cette deuxième table ronde dédiée aux industriels de la défense, donc qui fait suite à une audition du DGA donc, hier soir dans la soirée. Effectivement, le temps imparti nous a conduit à regrouper les auditions des industriels pour essayer d'avoir les principaux ainsi qu'un représentant des PME au travers de deux auditions, donc forcément un peu contraintes. Et donc je souhaite la bienvenue à Pierrick Pommelet, président directeur général de Naval Group, Éric Béranger, PDG de MBDA, Nicolas Chamoussi, directeur général de Nexter, Emmanuel Vacher, président directeur général d'Arcus, et donc Philippe Bouquet, secrétaire général du comité Richelieu qui représente les PME. Et d'ailleurs, on a tenu que vous soyez là pour vraiment qu'on parle bien entendu de nos grands champions nationaux, mais également on pense à l'ensemble des PME de défense qui sont également extrêmement importantes pour notre BITD et qu'on voit également sur nos territoires et qui participent activement à la fois à l'innovation et au fait que nos forces aient les meilleurs équipements possibles. Alors voilà, le temps est limité, j'imagine que vous avez beaucoup de choses à nous dire. Comme je vous l'ai indiqué, on a déjà eu quatre industriels précédemment qui ont déjà abordé certains sujets qui vous sont communs. Et donc je propose de limiter votre temps de parole initial à 5 minutes. Et bien entendu, vous verrez, vous aurez beaucoup de questions par la suite. Et bien entendu, vous pourrez également compléter avec nos collègues les échanges en complément si vous le souhaitez. Et donc on commence peut-être par Pierrick Pommelet, si vous le souhaitez. Monsieur le Président, merci. Mesdames et messieurs les députés, bonjour. Très heureux d'être avec vous ce matin. 5 minutes pour parler du renouvellement de la flotte de la Marine nationale, c'est un challenge. Je vais essayer de le relever. Je ne sais pas où est le compteur, d'ailleurs. Alors, tout d'abord, donc, je vais m'exprimer au nom de Naval Group, entreprise de souveraineté, 17 000 personnes réparties sur le territoire national et avec une activité internationale aussi extrêmement importante, je dirais deux mots d'exportation. Et donc nous sommes parfaitement conscients de l'effort qui est consenti par la nation pour sa défense. D'ailleurs, la raison d'être de Naval Group, c'est de donner aux marines les moyens de leur puissance. Et avec ces moyens, nul doute que la loi de programmation militaire s'apprête à donner à la Marine nationale et à la France les moyens de sa puissance, avec des crédits que vous connaissez en augmentation très significative depuis la LPM précédente, 413 milliards d'euros. Mais juste pour dire que pour une entreprise de défense, bien évidemment, ce qui compte, c'est cette visibilité, cette trajectoire. Mais sachez que nous sommes parfaitement conscients de l'exigence aussi vis-à-vis de nous, à la fois pour servir les programmes qui vont être commandés, pour les servir à l'heure et pour les servir de manière compétitive. Alors, la LPM précédente a été respectée. Nous espérons évidemment, nous souhaitons que celle-là le soit, car une loi de programmation respectée, une loi de programmation militaire respectée, c'est de la visibilité. Et c'est de la visibilité pour les entreprises. La visibilité est extrêmement importante pour des entreprises de temps long, comme les nôtres. Je raconte toujours cette anecdote, mais je vais quand même le faire dans mes 5 minutes. Nous démarrons avec cette loi de programmation militaire, nous poursuivons le développement du SNL de 3e génération, dont les études amont ont commencé il y a 10-15 ans, on va dire. Le premier sortira de Cherbourg en 2035, mais nous usinons déjà les premiers éléments de sa chaufferie nucléaire et nous usinerons la première tôle à Cherbourg cette année. Le dernier de la série de 4 sortira du site de Cherbourg en 2050 et sera en service jusqu'en 2090. Voilà. Donc ces entreprises, cette entreprise de temps long qui est Naval Group, mais ces entreprises de temps long de la BITD de défense ont besoin de visibilité, ce qu'apportent les lois de programmation militaire. Alors évidemment, cette loi de programmation militaire pour le Naval confirme le renouvellement quasi complet des bâtiments et des équipements de la Marine nationale, puisque nous confirmons, enfin en tout cas il est confirmé, il est proposé de confirmer le nombre et le calendrier des sous-marins nucléaires d'attaque. Nous avons déjà livré le Suffren. Le Duguay-Trouin a quitté Cherbourg hier pour aller rejoindre son port d'attache et évidemment réaliser ses essais à la mer. C'est le numéro 2 de la série, il y en a encore 4. Nous livrerons le Tourville l'année prochaine. Naval Group et tous ses partenaires vont livrer 2 sous-marins d'attaque en 2 ans, démontrant la force et la capacité de l'outil industriel, on va parler d'économie de guerre, mais à livrer des objets aussi complexes dans des calendriers courts. Bien évidemment, cette loi de programmation militaire confirme la dissuasion, l'épine dorsale
de notre système de défense, et évidemment avec un impact industriel extrêmement important. J'ai parlé des sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, je parle aussi du porte-avions de nouvelle génération qui participe à la puissance de la France et qui participe à la force de dissuasion. Donc le porte-avions de nouvelle génération est confirmé dans cette loi de programmation militaire avec un avant-projet détaillé qui démarre dans les semaines qui viennent et un développement-réalisation qui sera lancé à l'horizon de 2025. Dans ce renouvellement des forces navales, les bâtiments ravitailleurs de force, le Jacques Chevalier, le premier d'entre eux, qui a quitté Saint-Nazaire il y a quelques semaines pour rejoindre son port d'attache de Toulon. La poursuite des frégates de défense et d'intervention avec une cible de 5 qui est confirmée. Les patrouilleurs métropolitains, on les appelait patrouilleurs océaniques il y a encore quelques temps, qui seront faits en partenariat avec les chantiers navals Pirius, Ocarenam et CMN. Mais aussi, je vais peut-être arrêter l'énumération, mais une nouvelle composante de guerre des mines que la France souhaite réaliser en coopération avec la Belgique et les Pays-Bas, et des frégates de défense aérienne, les frégates Horizon, Chevalier Paul et Forbin, qui vont être rénovées, là encore dans le cadre d'une coopération européenne. Belgique, Pays-Bas et Italie font partie des coopérations dans le naval. Et puis bien évidemment une prise en compte du MCO que nous avons que nous avons évidemment remarqué, qui est extrêmement importante pour assurer la disponibilité des flottes. Voilà, alors, cette industrie navale, et en particulier Naval Group, évidemment, livre la France, livre aussi l'international et l'export. Je pense qu'il est extrêmement important de rappeler, rappeler ici notre outil industriel se comprend dans ces deux dimensions. Et bien évidemment, la LPM, la loi de programmation militaire, nous permet de lancer des bâtiments pour la marine nationale en espérant réaliser des commandes à l'international pour amortir l'outil industriel sur ces deux composantes. Ça a été le cas avec la frégate de défense et d'intervention, et que je tiens à souligner, que nous avons vendue à l'international avec l'équipe France ou l'équipe de France, alors même qu'elle n'avait pas encore navigué pour la marine nationale, puisqu'elle fera ses essais à la mer à la fin de cette année 2023. Elle sera livrée l'année prochaine. Elle est déjà vendue à la Grèce. Voilà, il y aura deux clients de lancement, ce qui est de bon augure pour la suite de l'international. Voilà. 5 minutes 26, il faut que j'arrête, Monsieur le Président. Je pense qu'on parlera dans les questions d'économie de guerre, de ce que ça veut dire pour le naval, de l'importance de ces roadmaps capacitaires. Mais voilà, juste en mot de conclusion de cette courte introduction, loi de programmation militaire égale visibilité. Il faut qu'elle soit respectée, bien évidemment. Et en tout cas, la loi qui est présentée consacre et confirme le renouvellement d'une très grande partie, voire de la totalité des équipements de la Marine nationale. Ce qui est de bon augure, évidemment, pour notre industrie, mais aussi qui nous oblige pour servir tous ces programmes. Voilà. Merci beaucoup pour cette intervention. Pour MBDA, la parole est à Éric Béranger. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je dois faire les deux à la fois. Les deux. D'accord, merci. Il a eu 6 minutes. Hein. Oui. Et vous contrôlez le chronomètre. Vous pouvez mettre pause. Mesdames et messieurs les députés, je suis moi aussi très heureux de pouvoir m'exprimer devant vous aujourd'hui sur ce sujet vraiment très très important. Je crois que nous vivons une époque charnière, pas seulement une époque, mais un moment charnière, puisque d'un côté, on a un contexte sécuritaire international et notamment la guerre en Ukraine qui révèle l'importance de la résilience, l'importance de pouvoir tenir dans la durée, d'où l'importance des stocks, mais aussi des capacités de production. Et Pierre-Éric en a parlé des capacités de production. Et en même temps, l'accélération des ruptures technologiques qui nous impose d'être innovants en permanence et surtout de ne jamais relâcher l'effort de la préparation de l'avenir si nous voulons maintenir notre posture stratégique. En clair, toujours pouvoir compter sur la scène internationale d'ici 5 ans ou d'ici 10 ans. MBDA, c'est un outil de souveraineté par excellence. C'est le premier acteur européen dans les systèmes de missiles et c'est également un outil de coopération. Non seulement un outil de coopération, mais c'est également grâce à la coopération que MBDA existe et peut fournir aux forces les moyens de leur supériorité opérationnelle. Donc on est complètement au cœur de tous ces sujets.
Et dans ce contexte, MBDA, aujourd'hui, doit prendre des décisions en termes de choix d'investissement, en termes de recrutement, dont les répercussions peuvent être très, très significatives sur notre posture stratégique dans les 5 à 10 ans à venir. D'où, effectivement, l'importance d'une loi de programmation militaire, l'importance de la visibilité qu'elle peut offrir et surtout de la clarification des choix de la France pour nous guider dans ces investissements et dans ces décisions que nous devons prendre aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut observer ? Donc, dans les 413 milliards d'euros, une augmentation significative, très significative même, du montant qui est consacré aux munitions, puisque dans le rapport annexe, on voit le chiffre de 16 milliards d'euros, avec des précisions sur certains éléments, dont le FMAN FMC, l'ASTER, le MICA, le Météor, le MMP, que nous appelons maintenant Aqueron MP. On y voit également que le nucléaire et la défense sol-air, pour 5 milliards d'euros, apparaissent également comme des priorités très claires. Donc on voit un effort d'investissement significatif de la France dans ses capacités cruciales. On voit aussi, et on en a beaucoup entendu parler ces derniers temps, un enjeu très très fort en termes de résilience, donc sur la production. Et sur cette production, il y a même eu beaucoup de groupes de travail qui se sont réunis. Aujourd'hui, la LPM, contrairement à la précédente, ne détaille pas l'agrégat équipement par année, mais ce sont des choses que nous allons clarifier au fil des discussions. Et cette clarification, cette visibilité que nous sommes en train de créer tous ensemble, c'est effectivement de l'intérêt de tous, puisque plus nous aurons de visibilité, comme le disait Pierre-Éric, plus nous augmentons notre capacité, nous, en tant qu'industriels, à anticiper en termes de stock et d'outils industriels. MBDA a beaucoup fait par le passé et encore plus récemment pour ses anticipations. Sur les 5 dernières années, c'est 300 millions d'euros que nous avons investis dans l'outil industriel en termes d'anticipation. Sur les 5 prochaines années, on prévoit de porter ce montant à 500 millions d'euros. Et même l'année dernière, en fin d'année dernière, nous avons augmenté notre capacité à constituer des stocks en équipement, en pièces détachées, si je puis dire, de 200 millions d'euros supplémentaires. Tout ça, nous sommes capables de le faire grâce à la masse critique de MBDA qui nous provient de la coopération entre les différents États, principalement avec le Royaume-Uni et l'Italie. Ces coopérations, ce sont l'épine dorsale de MBDA, mais également grâce aux exportations. Je vois que j'arrive déjà à 5 minutes 13. Donc, peut-être juste 2 points sur lesquels j'aimerais insister. Le premier point, c'est que en termes de leçons de l'Ukraine aujourd'hui, on voit un axe résilience, on voit un axe défense sol-air qui est bien documenté. On voit également un axe sur lequel nous allons continuer à travailler, qui est l'axe de la frappe dans la profondeur. On voit tous les missiles que les Russes ont envoyés en Ukraine. On voit bien ce qui se passe. On voit ce qui se passe dans le domaine de l'hypersonique. On voit également qu'au niveau mondial, c'est aujourd'hui le premier axe de développement des États-Unis, cette frappe dans la profondeur. Un pays comme le Japon, qui a un budget militaire à peu près équivalent à la France, va consacrer en 2023 6 milliards de dollars à l'investissement en termes de frappe dans la profondeur. Donc on voit bien que pour maintenir notre posture stratégique, la France a vraiment raison d'investir sur cet axe de frappe dans la profondeur. Et ensuite, je pense que nous pourrons parler pendant les
des échanges de questions-réponses sur tous les axes d'innovation, laser, hypersonique, intelligence artificielle, combat collaboratif, que vous voudrez aborder. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci. Pour Nexter, la parole est à Nicolas Chamoussi. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs les députés. Merci pour cette audition qui, malgré le temps contraint de l'examen parlementaire, doit donner à la représentation nationale une vision plus précise d'une LPM qui va déterminer notre politique de défense et la dynamique de notre industrie de défense que nous représentons ici jusqu'au-delà de cette décennie dans un contexte de guerre aux portes de l'Europe. Disposer d'une LPM qui permet de programmer dans la durée l'effort de défense et les programmes d'armement est un motif de satisfaction en soi que de nombreux pays nous envient, on le voit tous les jours. Les sommes conséquentes qui sont planifiées jusqu'en 2030 sont de surcroît, je crois, un signal très fort envoyé à nos partenaires et nos concurrents et un facteur de crédibilité stratégique autant qu'industriel. Alors, si la LPM confirme et conforte la complétude du modèle d'armée et les grandes orientations de la BITD terrestre, dont Nexter est le chef de file, elle sera traduite par des ajustements capacitaires pour tenir compte des réorientations de priorité. Alors, je vais en citer trois. Tout d'abord, le cas du programme Scorpion, dont les cadences de livraison seront étalées ou sont étalées pour partie après 2030, sans que, malgré tout, les cibles finales désormais à l'horizon 2035 ne soient remises en cause. Je voudrais insister sur le fait que l'industrie a démontré sa capacité à produire, à tenir ses engagements depuis le début du programme. Les livraisons de Griffon, puis de Jaguar, puis de Serval, puisque c'est dans cet ordre qu'ils ont commencé à être livrés, ont été livrées exactement à la date depuis le début du programme pour une industrie, pour une BITD, qui, je rappelle, jusqu'en 2017, ou en 2017 en l'occurrence, n'avait plus produit aucun véhicule neuf. On va produire plusieurs centaines, on produit d'ores et déjà plusieurs centaines de véhicules, conformément aux engagements qu'on avait pris. Donc on a démontré la capacité à tenir les engagements, on a mis en place un outil industriel qui permet d'accompagner et de soutenir cette montée en cadence industrielle. On se montrera flexible pour envisager, en lien étroit avec le ministère des Armées et l'ensemble de ses composantes, des mesures de remédiation au cas par cas et programme par programme afin de limiter la déstabilisation du tissu industriel, pas uniquement de Dexter, mais de toute la BITD qu'on entraîne derrière nous et les surcoûts inévitables de ce type de mesures. Cela prouve d'ailleurs au passage, à contrario, que seules les commandes fermes pourvoient à l'indispensable visibilité industrielle que nous appelons de nos voeux. Premier point, programme Scorpion. Deuxième point, comme le vient de le rappeler Éric Béranger, la programmation militaire prévoit également de nouvelles priorités capacitaires dans le domaine de compétences et de légitimité de Nexter, pour lesquelles nous sommes et nous serons force de proposition. Ça vaut pour la défense solaire basse couche, ça vaut pour la lutte anti-drone, où le canon est probablement indispensable en complément du missile, les munitions téléopérées, ainsi que la frappe longue portée en remplacement des LRU dont on parle tant. Sur ce dernier point, nous continuerons à faire avec nos partenaires industriels des propositions cohérentes avec le besoin et les délais exprimés par les armées. Et le besoin de développement agile d'une telle capacité pourrait être le symbole du faire autrement souhaité par le ministre. Troisième sujet, les munitions, évidemment, qui feront, j'espère, l'objet d'un effort particulier dans un contexte de profonde reconfiguration de l'industrie munitionnaire européenne et en particulier sous l'impulsion des institutions européennes. Vous savez que le commissaire Breton est venu visiter plusieurs de nos sites, nous tous ici, et manifeste le rôle de particulier qu'entend jouer la Commission européenne. La France se doit d'y jouer un rôle premier, de faire preuve de leadership. On s'est, nous, du côté de Nexter, déjà mis en ordre de bataille. On aura, à l'horizon mars 2024, augmenté de 50% notre capacité de production de munitions de gros calibre, et en particulier d'obus d'artillerie, par rapport à ce qu'elle était au début de l'année 2023. Et nous avons fait, en outre, au-delà, des propositions pour augmenter très significativement la production, au-delà de cette augmentation de 50%, tout en renforçant notre empreinte européenne. Enfin, la LPM se traduit également par une volonté d'accroître le niveau d'activité des forces, donc potentiellement le MCO, pour lequel je crois que l'industrie privée, et Nexter en particulier, a largement démontré son apport et ses compétences. On gère les parcs d'entraînement et l'approvisionnement en pièces de rechange et en soutien pour l'ensemble des régiments de France et de Navarre. Sur le plan normatif, la LPM pourvoit au bras réglementaire de l'économie de guerre, avec en particulier l'imposition administrative de stock et la priorisation nationale de commandes export.
Alors, je voudrais juste rappeler que dans le cadre du soutien français à l'Ukraine, on a déjà été confronté à ces problématiques en réalisant, comme l'a rappelé Éric Béranger et Pierre-Yves Pommelet avant, des stocks conséquents en autofinancement et en acceptant de prendre des risques, là encore en bonne intelligence avec le ministère des Armées. Mais une vigilance particulière s'impose, à mon avis, pour que ces dispositions n'obèrent pas notre compétitivité en faisant peser une charge durable sur la trésorerie, ni l'attractivité de l'offre française en faisant peser une hypothèque de préemption sur les commandes export. Ça vaut d'autant plus dans un secteur terrestre dont l'intensité concurrentielle est très forte et en croissance, et un examen partagé État-industrie préalable à toute décision relevant de cette disposition me semble indispensable. N'oublions pas que le contexte d'économie de guerre ne doit pas nous faire oublier que nous sommes également dans une guerre économique. Point suivant, parmi les axes majeurs d'efforts, je crois nécessaire d'insister sur le besoin d'un effort tout à fait particulier sur la préparation de l'avenir dans le secteur terrestre, ça a été dit par mes deux collègues précédents, par davantage de financement de R&T pour préparer les programmes majeurs et entretenir les compétences des bureaux d'études avec la fin des développements Scorpion. On aura peut-être l'occasion d'en reparler tout à l'heure. J'insisterai beaucoup sur la compétence industrielle en matière de chars et d'artillerie du futur. Et puis, dernier point, l'export, qui est absolument constitutif de l'équilibre de notre modèle industriel. Pour Nexter, mais pour l'ensemble de la filière terrestre pour laquelle, dont je me fais le porte-parole ici, les sujets terrestres doivent être davantage soutenus et visibles à l'export, comme c'est le cas avec le César, évidemment, on l'a vu ici et là, mais pas seulement. Le VBCI, en équipe de France, a encore des prospects stratégiques devant lui et une impulsion forte doit être donnée pour exporter des véhicules Scorpion. On a un magnifique produit, une magnifique gamme de produits Scorpion qui ont évidemment par voie de conséquence des créneaux de production qui ont été rendus libres. Utilisons-le pour à l'export. Dernier petit point sur ce volet export. Le fait pour la France de pouvoir proposer des contrats d'État à État allégés, light, qui sont demandés par de nombreux pays partenaires, serait un différenciant majeur qui permettrait de renforcer et de catalyser nos performances à l'export, consubstantiel de la robustesse et de la performance globale de notre industrie. Merci, Monsieur le Président. Merci. On reste sur le segment terrestre avec Emmanuel Levaché pour Arcus. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Ravi aussi de pouvoir m'exprimer devant vous pour cette audition. Effectivement, je ne vais pas revenir sur le contexte international préoccupant, mais donc quelques mots sur Arcus. Arcus, donc, comme vous le savez certainement, nous sommes une filiale du groupe suédois AB Volvo, mais d'Arcus, nous sommes une ETI française de 1500 personnes, 600 millions d'euros de chiffre d'affaires, mais aussi 2000 fournisseurs en France, héritière aussi d'une longue tradition de la défense terrestre avec Renault Trucks Défense, ACMAT, Panhard, etc. Nous sommes partenaires historiques de l'armée de terre et nous réalisons aussi, donc, dans le cadre de la LPM actuelle et future, une partie des véhicules de Scorpion en GME avec Nexter et Thales. Nous livrons également les véhicules pour les forces spéciales et nous venons de finir de livrer les VT4 qui équipent l'ensemble des régiments de l'armée de terre française. Nous avons également une tradition de succès à l'exportation. À titre d'exemple, notre blindé Bastion est un best-seller en Afrique. Nous en avons placé plus de 600 à cette date. Et puis nous innovons aussi dans de nombreux domaines, la protection, la robotique, mais surtout, dernièrement, des recherches sur les nouvelles énergies du champ de bataille. Alors, concernant le sujet d'aujourd'hui, économie de guerre et LPM, qui sont difficilement dissociables, pour l'économie de guerre, ce qu'on comprend, évidemment, c'est le plus vite, moins cher. Des mots qui ont été importants, qui viennent d'être cités, souveraineté, résilience, anticipation, réactivité. Donc, c'est clair que nous sommes complètement dans cet état d'esprit, avec des investissements déjà depuis plusieurs années sur nos différents sites industriels pour leur donner plus de capacités. Nous avons également investi en anticipant sur des développements de produits pour essayer d'être en avance de phase sur des futurs programmes de l'armée française que sont VBAE et le renouvellement des camions de l'armée de terre. Également, nous continuons à investir, ça n'a pas été dit précédemment, mais c'est probablement un des sujets les plus importants de mon point de vue dans les ressources humaines,
qui sont clairement un goulot d'étranglement potentiel, donc à recruter 150 personnes par an, ce qui est beaucoup à notre échelle, à former. On a une école des métiers interne parce qu'on ne trouve pas toujours les compétences disponibles, et puis à motiver nos troupes, pour en particulier en créant une culture de l'engagement, une culture de la performance, mais aussi de l'agilité, de la capacité de mobilisation et de réaction, donc ce qui est consubstantiel à ce concept d'économie de guerre. Concernant la loi de programmation militaire, d'abord... Je profite de cette audition pour remercier le ministère des Armées, le ministre des Armées, de porter en fait cette LPM qui, avec une dotation de 413 milliards, qui est vraiment un record et un sommet historique. Comme vient de l'expliquer dans le détail Nicolas Chamussy, donc on prend note effectivement de certains lissages de production, en particulier du programme Scorpion, sachant que les cibles sont maintenues à l'horizon 2035. Mais notre job, c'est de nous adapter, d'être flexible. On a un outil industriel d'ailleurs qui est flexible. On note aussi qu'en contrepartie, il y aura aussi des efforts particuliers qui sont faits dans la maintenance et dans le MCO, qui, assez logiquement, devraient être vus aussi un peu à la hausse du fait de l'utilisation plus longue de matériel ancien. Nous notons également des perspectives intéressantes dans le domaine de l'artillerie. Ça a été déjà évoqué, artillerie longue portée. Nous sommes les fournisseurs du châssis du César de Nexter. Et nous comptons aussi nous positionner, pourquoi pas, sur des porteurs pour de l'artillerie longue portée dont il a été question précédemment. Donc autant de sujets qui nous semblent extrêmement porteurs de potentiel d'activité supplémentaire dans cette LPM. Évidemment, tout cela, et c'est important pour tout le monde, ça a été dit à plusieurs reprises, ça doit s'accompagner d'une bonne visibilité, c'est un mot-clé. Visibilité, ça veut dire être capable, effectivement, de se projeter à moyen-long terme avec des cibles, des commandes fermes et un certain nombre de perspectives, pourquoi pas aussi d'opportunités nouvelles qu'on peut aller chercher dans le cadre de cette enveloppe globale. Donc, en conclusion, face à tous ces nouveaux défis, je voudrais d'abord dire que nous sommes vraiment heureux de voir en fait l'effort collectif de la nation dans le sens de la construction d'une armée transformée, modernisée, que bien sûr nous sommes prêts à jouer ce rôle et on travaille vraiment à l'engagement des troupes, des équipes, de nos hommes et nos femmes pour porter bien sûr et réaliser tous ces dossiers qui nous seront confiés. Et en parallèle, je voudrais également insister sur le fait que ça vient d'être dit très clairement aussi par Nicolas, c'est le fait qu'on doit redoubler d'efforts pour exporter et pour arriver à équilibrer notre activité avec encore plus de succès sur les marchés internationaux. Merci. Merci beaucoup. Et enfin, la parole est à Philippe Bouquet, secrétaire général du comité Richelieu, qui représente donc les PME. Monsieur le Président, mesdames et messieurs les députés, je vous remercie également donc pour votre invitation qui témoigne de l'attention particulière que vous portez à cette composante PME et ETI de la BITD. Le comité Richelieu, tout d'abord, se félicite également que cette nouvelle loi de programmation militaire permette de continuer d'amplifier les investissements nécessaires à la garantie de notre souveraineté et de notre autonomie stratégique. En ce qui concerne les entreprises que nous représentons, c'est-à-dire l'écosystème des entreprises innovantes françaises, le comité Richelieu s'est concentré sur les parties concernant plus particulièrement l'innovation et la BITD, et notamment celles qui peuvent impacter les PME et les ETI. Nous avons prêté une attention particulière à l'article 24, qui concerne la possibilité de constituer des stocks de matières et de composants stratégiques, et également de prioriser la livraison de certains biens et services au profit des armées. Notre première impression est que cet article concerne apparemment plus les grands maîtres d'œuvre industriels. Cependant, nous sommes très intéressés pour connaître l'impact de cette disposition sur l'ensemble de la chaîne logistique et donc en particulier sur les PME et ETI, sous-traitantes et fournisseurs de ces mêmes maîtres d'œuvre industriels. Nous avons donc besoin de clarifications sur ce que sera la déclinaison pratique de cet article. Nous avons compris également que les entreprises concernées par ce dispositif ne seront pas indemnisés au motif notamment que la constitution d'un tel stock sera assimilée à un fonds de roulement. Nous souhaitons profiter de cette occasion pour attirer votre attention sur le fait que la notion de besoin fonds de roulement
ne s'envisage pas de la même manière chez un maître d'œuvre industriel ou dans une PME ou une ETI. Surtout dans cette période où bon nombre sont fragilisés par l'augmentation des coûts de matière, des composants et bien évidemment de l'énergie. Nous souhaitons aussi attirer votre attention d'une façon générale sur les problèmes de financement, que ce soit de haut ou de bas de bilan, auxquels font face nos adhérents et en particulier les PME de défense. Nous savons qu'il existe des projets comme la création d'un livret de souveraineté. D'une manière générale, le comité Richelieu soutiendra toutes les initiatives privées ou publiques qui permettront de soutenir et d'assurer la pérennité et le développement de la BITD. Concernant justement cette BITD, nous apprécions les objectifs affichés d'agilité et de résilience et le fait qu'il soit demandé à la DGA de consolider cette BITD à travers notamment, je cite, « l'attention portée au tissu des PME ». Le comité Richelieu sera évidemment très attentif aux modalités pratiques qui seront mises en œuvre pour atteindre ces objectifs et est prêt à participer aux réflexions qui définiront ces modalités. Nous nous réjouissons également que la LPM prévoit l'anticipation de certains besoins capacitaires par des innovations de rupture et assumera des paris technologiques. Nous souhaitons à ce stade souligner l'importance à nos yeux du rôle de l'AID, l'Agence d'innovation et de défense, et nous serons bien sûr vigilants à ce qu'une partie conséquente du budget des 10 milliards d'euros consacrés à l'innovation soit accessible directement aux PME et aux ETI. Nous sommes par contre plus réservés sur la demande de mobilisation qui est faite à la BITD pour engager des projets innovants autofinancés. Et je fais là par référence à mes propos précédents sur les difficultés auxquelles nous sommes confrontés sur les problèmes de financement. À ce propos, le comité Richelieu milite depuis longtemps pour la pérennisation du crédit impôt recherche et du crédit impôt innovation, qui sont deux dispositifs indispensables aux PME pour le financement de leur R&D. Les entreprises innovantes que nous représentons sont bien entendu pleinement engagées pour répondre aux enjeux et aux ambitions de cette loi de programmation militaire, mais nous souhaitons aussi attirer votre attention sur quelques points de vigilance. Le premier concerne ce que nous appelons le passage à l'échelle, c'est-à-dire comment nous pouvons mieux passer d'un projet ou d'un concept innovant ou d'un prototype au programme, ce qui reste aujourd'hui assez souvent problématique. Ensuite, l'accès direct des PME à la DGA et au programme et au marché. Le raccourcissement des procédures de notification et au-delà les enjeux de simplification. Notre besoin de visibilité et son corollaire, le ruissellement de la part des MOI, tant sur les aspects contractuels que financiers, notamment par le paiement d'acompte. À ce stade, le comité Richelieu souhaite aussi rappeler l'importance que peut jouer le plan Action PME, qui a été rénové il y a un an, et dont la concrétisation efficace de la loi vis-à-vis de l'écosystème des PME et dont les 5 grands axes sont parfaitement en phase avec les différents points évoqués précédemment. Un dernier point que je souhaite évoquer concerne les problèmes de recrutement auxquels nous faisons face, alors qui ne concernent, je pense, pas uniquement les PME, les ETI, mais également mes collègues des grands groupes, parce que si on se félicite tous de l'augmentation des budgets dans cette LPM, nous aurons besoin de ressources pour le concrétiser, et c'est aujourd'hui un réel problème, notamment dans le secteur de la défense. En conclusion, les PME et les ETI innovantes sont prêtes à relever les défis induits par l'ambition de cette LPM, et nous suivrons avec attention sa mise en œuvre effective. Le comité Richelieu se tient d'ailleurs à la disposition du ministère et de la DGA pour participer activement aux réflexions et faire des propositions. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, je vous remercie de votre attention et je suis prêt, comme mes collègues, je suppose, à répondre à vos questions. Merci, Monsieur le Secrétaire Général. Alors, nous avons 8 questions du rapporteur et des orateurs de groupe et 3 questions complémentaires sont 11 questions. Je vous propose de couper en deux pour optimiser le temps de parole en prenant les 5 premières questions, un premier temps de réponse et les 6 autres et un deuxième temps de réponse. Et donc, la parole est à Jean-Michel Jacques, notre rapporteur. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Messieurs, merci pour vos propos liminaires. Nous sommes réunis aujourd'hui autour de cette LPM, une LPM de 413 milliards d'euros de besoins programmés, exigeante, ça a été dit, mais qui est là pour l'intérêt supérieur de la nation. Une LPM exigeante, mais qui vous doit aussi de la visibilité et de la clarté.
Alors, c'est important de vous le dire, et l'écueil, je pense, pour vous, industriels, serait aussi de finalement dépendre uniquement de la commande de l'État français. Et je pense qu'il est important de consolider vos stratégies industrielles, ce que vous faites, hein, pour ne pas être dépendant de cette commande. Et ce qui motive ma question, pour tout vous dire, c'est un article. Le matin, vous savez comment c'est, les députés, on a nos articles de presse qui tombent. Et un matin, j'ai eu un article parlant de la société d'Arcus. Hein, donc vous pourrez, vous, du coup, en discuter si vous le souhaitez. Hein. Et pour tout vous dire, j'ai été assez surpris de voir que, finalement, cette entreprise française dépendait uniquement de l'État et finalement était complètement comprimé et affolé parce que la LPM ne lui permettait pas de avoir tout son plan de charge. Et ça m'a un petit peu interpellé. Donc je pense qu'effectivement, il y a deux, à mon avis, mais humblement, hein, vous le savez mieux que moi, il y a deux possibilités d'éviter d'être dépendant de la commande publique. C'est bien entendu l'export, et pour ça on peut souligner ce que vous faites à travers vos différents groupes, que ce soit MBDA, Naval Group à travers ses frégates CFDI, vous avez évoqué M. Éric Pommelet, frégates faites à l'Orient avec Madame la députée qui est là, on sait apprécier le travail précis qui est fait autour de ces frégates, mais aussi par Nexter. Et donc l'exportation est importante. Comment l'État vous accompagne vers l'exportation, parce qu'on l'a bien vu, pour le VBCI ou Scorpion, par exemple, il y a du besoin. Et d'autre part, pour éviter d'être toujours dépendant de la commande de l'État, c'est aussi peut-être tout simplement à se tourner vers l'industrie duale. Peut-être le comité Richelieu, d'ailleurs, en la matière, a beaucoup d'expérience. Pourriez-vous nous donner quelques idées ou exemples qui permettra peut-être de nourrir la réflexion de certains pour comment faire pour ne pas dépendre uniquement de la commande de l'État et pouvoir être solide pour son plan stratégique industriel. Je vous remercie. Merci pour le groupe Renaissance. La parole est à Anne Jonte. Merci, Monsieur le Président. Merci à vous cinq pour vos présentations, vos propos liminaires. Vous avez insisté sur plusieurs points. Je vais rapidement vous poser deux questions. Je vais peut-être être un peu moins rapide que tout à l'heure, Monsieur le Président. Vous avez évoqué, l'un d'entre vous, je crois, Monsieur le Comité Richelieu, avait évoqué le problème de compétences, de recrutement. On a mesuré à travers cette LPM combien elle peut représenter pour vous tous des opportunités, mais aussi des défis. Donc je vais souligner deux défis. Sur les compétences, on a beaucoup parlé de la notion de réserve. Est-ce que vous pourriez nous dire un petit peu votre point de vue les uns les autres sur la notion de réserve industrielle? Est-ce qu'elle a un sens? Comment vous imagineriez la mettre en œuvre dans un contexte de pénurie de compétences, de difficultés à retenir les talents? Comment pourrait-elle se mettre en œuvre? La deuxième question, c'est sur cet article 24 de la LPM qui propose la mise en place de deux dispositifs pour notamment le souci de constitution de stocks stratégiques. Le premier qui permet à l'administration d'imposer, de vous imposer la constitution de stocks stratégiques ou de matières ou de composants stratégiques, et le deuxième qui permet d'ordonner à l'État d'ordonner l'exécution prioritaire des commandes passées à l'une de vos entreprises. Donc est-ce que vous pourriez nous dire comment vous voyez ces mesures? Nous avons eu un point d'alerte tout à l'heure pour nous dire on aimerait avoir des garanties de l'État. Est-ce que vous êtes dans cette perspective-là, sur cette notion d'article 24 et de constitution de stocks stratégiques? Je vous remercie. Merci, cher collègue. Vous êtes toujours aussi rapide. Et pour le groupe Rassemblement national, la parole est à Franck Giletti. Merci, Monsieur le Président. Messieurs, Madame, au nom du Rassemblement national, je tiens à vous remercier pour votre présence. Vous le savez, notre groupe est particulièrement attaché aux questions de souveraineté. Il nous apparaît donc primordial que cette LPM donne à notre industrie de défense les moyens d'assurer notre autonomie stratégique. Ce projet de loi entend apporter à nos armées une cohérence de soutien et de capacité. En d'autres termes, de permettre une augmentation des productions militaires pour mieux équiper nos forces. Les industriels que vous êtes sont de facto la pierre angulaire de cette nouvelle programmation. Il convient donc d'assurer un cadre propice à la bonne exécution de cette LPM. Au cours des mois précédents, la présentation du projet de loi, le ministre des Armées avait annoncé son ambition d'entamer une transition vers une économie de guerre. À l'époque, notre BITD regrettait qu'un tel discours ne soit pas suivi de commandes, alors même qu'elle conditionne le développement de certains programmes stratégiques, comme le missile hypersonique par exemple. L'économie de guerre apparaît donc comme un énième élément de langage. Lors de ses interventions aux Pays-Bas, le président de la République l'a d'ailleurs à plusieurs reprises associé au concept artificiel de souveraineté européenne. Et ce, alors même que l'industrie de défense française dépend en grande partie des commandes de l'État. Par souci économique et parfois idéologique, nos équipements sont le fruit de coopération avec nos partenaires européens. Afin d'assurer la modernisation de nos armées, cette LPM mise sur un certain nombre de coopérations stratégiques.
Le futur de notre armée dépend donc de la bonne conduite de ces programmes. Pourtant, force est de constater que ces derniers ne sont pas toujours d'éclatantes réussites. L'on peut notamment penser au programme MGCS, auquel prend part Nexter, déjà retardé en raison des divergences doctrinales entre la France et l'Allemagne. Ma question est donc double. Cette LPM donne-t-elle suffisamment de visibilité et de moyens à vos entreprises afin d'atteindre à temps les objectifs fixés? Enfin, avons-nous suffisamment de réversibilité pour sortir de programmes développés en partenariat s'ils s'avèrent contraires à nos intérêts militaires et industriels? Je vous remercie. Merci pour la France insoumise. La parole est à Martine Etienne. Bonjour messieurs. D'abord, votre venue me permet de souligner un manque de clarté quant à l'exécution de certains programmes initialement bien programmés dans l'actuelle LPM. Le PLPM consacre la sémantique guerrière du président de la République d'une entrée imaginaire dans l'économie de guerre. Or, les effets d'annonce butent sur la réalité du texte et de la faiblesse de ses leviers, pensés pour la montée en puissance de la BITD. En premier lieu, je m'adresse à M. Éric Pommelet. Les précédentes LPM montrent le risque chronique de l'accroissement du report de charges sur le décalage de programmes consacrés en programmation. Dans ce cadre, le rapport est annexé au PLPM ne contient aucune trajectoire de réduction de report de charges, contrairement à celle qui est en cours. Comment Naval Group appréhende la planification industrielle et financière du porte-avions de nouvelle génération ? La trésorerie de votre groupe sera-t-elle capable d'absorber les reports de charges et possibles retards de paiement massifs de cet équipement stratégique pour nos armées ? Ensuite, je m'adresse à M. Emmanuel Levaché. Il apparaît que les cibles Griffon, amputées de 28% d'ici 2030, Jaguar, réévaluées à la baisse à la hauteur de 30%, tout comme ceux de Serval, confirment des renoncements à contre-rebours de la haute intensité, et cela au détriment de l'armée de terre. De quelle manière ces reports et étalements de programmes vont-ils impacter les coûts à la fois de maintien en condition opérationnelle, mais aussi en termes de coûts unitaires pour la mission défense ? Enfin, je m'adresse à M. Philippe Bouquet. En plus des difficultés de main-d'œuvre qualifiée et de financement, le PLPM ne semble pas prendre en compte l'attribution des terrains européens et américains qui complique largement la capacité souveraine de notre BITD à faire face à la concurrence internationale. L'absence de réaction de ce PLPM n'est-il pas un angle mort pour la sauvegarde de notre tissu industriel de défense et de ses brevets ? J'ai été un peu vite au départ, excusez-moi. Merci. Enfin, la parole est à Jean-Louis Thiriot pour le groupe Les Républicains. Merci, Monsieur le Président. Messieurs, quel plaisir de vous revoir. Ceux qui forgent les armes de la France sont aussi ceux qui participent à la défense de la France. Donc c'est toujours l'occasion de le redire et de le redire à vos équipes. Quelques questions. Cette LPM prévoit qu'un certain nombre de programmes seront différés dans le temps. Donc je souhaiterais savoir d'abord quelles sont les conséquences concrètes sur vos chaînes de production, dans quelle mesure vous êtes capable d'étaler ces reports sans remettre en cause l'outil industriel. Et surtout, parce que c'est essentiel, la condition pour que cela soit absorbé, ce sont les succès à l'export. Donc j'aurais souhaité savoir, est-ce que vous pensez que les perspectives à l'export vous permettent de les compenser? Et surtout, qu'est-ce que l'État peut faire pour aider à ces exportations? Vous avez ouvert une piste, monsieur Chamussy, avec les contrats d'État à État, mais j'aimerais bien que vous nous en parliez plus et que vous nous précisiez ce qui peut et doit être fait. Deuxième sujet qui porte plutôt sur Nexter, j'ai un véritable souci sur l'avenir des blindés lourds. On sait que nous avons arrêté depuis 2008 la production de Leclerc, que l'avenir du MGCS est, disons, incertain et que Krauss-Maffei prépare son Léopard 2 standard 7, je crois, ou 8, je ne sais plus, peu importe. Comment voyez-vous ce segment et les solutions alternatives si nous avons un problème sur ce sujet? Enfin, une question pour Monsieur Bouquet. Vous savez que je suis extrêmement préoccupé régulièrement
par le financement de la BITD. Aujourd'hui, j'entends un discours totalement contradictoire, c'est-à-dire que tous les banquiers que je vois me disent qu'il n'y a aucun problème sectoriel, et les acteurs de la BITD me disent que ce n'est pas du tout le cas. Alors, on a un sujet haut de bilan, bas de bilan, donc je voudrais que vous nous fassiez un point et que vous nous souligniez les pistes sur lesquelles nous devrions travailler. Merci à vous. Merci, chers collègues, pour cette salle de 5 premières questions. Je rappelle que nous en aurons 5 questions, dont certains qui en ont posé 3, ce qui fait « chers collègues » avec un S. Et donc, je vous propose, messieurs, de prendre 5 minutes maximum chacun pour y répondre, pour qu'on ait le temps de traiter les 6 prochaines, en commençant, si vous souhaitez, par monsieur Pommelet. On reprend le même ordre. Bon, je ne vais peut-être pas répondre à toutes les questions. Non, je vais juste raconter, et je pense que ça répond à pas mal de questions et de préoccupations, ce qui s'est passé sur la FDI en Grèce. Je rappelle que dans la LPM précédente, les FDI 2 et 3 pour la France étaient décalés, on va dire étalés dans le temps. C'était au tout début de mon arrivée, donc il y a un peu plus de 3 ans maintenant, en dialogue permanent avec le ministère des Armées, et avec une vision sur la charge industrielle, où effectivement la charge n'était pas supportée uniquement par les programmes à l'export, il a été décidé par le ministère des Armées d'avancer les FDI 2 et 3 prévus pour la France. Et dans l'objectif à la fois de soutenir la charge industrielle, mais aussi de permettre une vente à l'export à cycle court. Et c'est ce qui a été fait avec la Grèce finalement, puisque le fait d'avoir avancé les FDI 2 et 3 a permis de sécuriser un calendrier de livraison pour la Grèce, et la campagne grecque qui a eu lieu en 2021 s'est basée sur le calendrier de la France, la France étant d'accord de livrer finalement ces 2 frégates à la Grèce si la Grèce les commandait. Et le programme FDI français est revenu sur la trajectoire initiale et la Grèce a permis d'intercaler. Si on n'avait pas eu l'avance des FDI 2 et 3, je ne sais pas si nous aurions pu être aussi compétitifs à l'export sur la Grèce. Vous posez beaucoup la question de l'international, de l'export. Peut-être que mes collègues répondront notamment sur le rôle de l'équipe France. Mais la capacité d'un outil industriel à livrer dans des délais, et dans des délais courts, est extrêmement importante à l'international aujourd'hui, y compris par des programmes de bateaux. Voilà, donc la LPM prévoyait des frégates livrées plus tard. D'un commun accord, on a trouvé le moyen d'avancer les commandes pour la France, ce qui nous a permis de proposer à un client export de les livrer rapidement, et la France s'est remise sur son calendrier original. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas encore une visibilité complète sur les calendriers qui est en cours de discussion au ministère des Armées, mais de toute façon, le dialogue permanent avec le ministère des Armées et les services de l'État permet d'ajuster nos plans de charge à la réalité de l'international et de la commande nationale. Je rappelle juste que pour Naval Group, la commande nationale, c'est à peu près 65% de notre activité, 35% à l'international. Voilà, donc comment l'État nous accompagne à l'export, c'est dans ce dialogue permanent, dans l'utilisation de tous ces services et l'équipe de France. Vous avez posé une question individuelle, Madame la députée, sur le financement et les reports de charges. Moi, ce que je vois dans la programmation militaire aujourd'hui, je crois que c'est une excellente nouvelle pour Naval Group, évidemment tous ses partenaires, toute l'entreprise et notamment tout le monde du nucléaire, c'est le maintien du calendrier du porte-avions nucléaire de nouvelle génération, qui va nous permettre dans les années qui viennent de développer avec Technicatome une nouvelle technologie de chaufferie nucléaire de propulsion navale. C'est extrêmement important à la fois pour le maintien des compétences, mais aussi pour la puissance du navire et avec les chantiers de l'Atlantique, de maintenir sur son calendrier. Alors après, les questions de financement se discutent, se négocient en fait année après année, contrat par contrat. Et les clés de paiement, comme on dit dans notre langage, ou les conditions de financement, font partie de la négociation d'ensemble. Voilà, donc on ne peut pas préjuger d'avance ce que sera la négociation. Ce que je peux vous dire, c'est que à partir du moment où les calendriers sont confirmés, je ne doute pas que nous trouverons les moyens, évidemment, de trouver les financements correspondants pour ce magnifique navire. Voilà, je vais répondre à ces 2 questions. Je pourrais répondre sur la réserve industrielle, sur les stocks stratégiques, sur la souveraineté, sur les programmes en coopération. Je crois que je vais en laisser quand même pour mes collègues qui peuvent aussi s'exprimer sur le sujet avec parfois beaucoup plus d'acuité que Naval Group. Et promis, pour la prochaine salve de réponses, on changera l'ordre de réponse. Comme ça, vous pourrez intervenir en dernier. Je propose à M. Béranger de répondre. Merci. Donc sur la dépendance sur l'export et sur la façon dont l'État peut nous aider ou nous aide,
Je ne vais pas rajouter grand-chose par rapport à ce qu'a dit Pierre-Éric. Je pense qu'il y a la notion du dialogue permanent. L'État est complètement au cœur de toute exportation, puisque de toute façon, fabriquer des armes ou les vendre est interdit par la loi. Et donc, à chaque fois que nous faisons ça, nous le faisons par dérogation, et encore plus quand on va à l'export. Donc, il y a un dialogue de toute façon, de fait, très, très intime avec l'État. L'État est complètement au cœur. L'État a des leviers d'action, effectivement, en termes de lissage de capacité de production. Dans le cas de MBDA, c'est également une affaire de répartir finalement au fil des années la façon dont on satisfera les besoins de l'État français de façon à pouvoir livrer plus ou moins vite également des clients export. L'aspect gouvernement à gouvernement est un élément très important de compétitivité de l'équipe France. Alors Pierre-Éric a juste mentionné l'équipe France. Je pense que à chaque fois que nous arrivons à jouer en tant qu'équipe France, nous sommes beaucoup plus forts, et je pense que ça devient de plus en plus important dans le contexte hyper concurrentiel auquel nous sommes confrontés. Les exemples récents pour MBDA, par exemple, où cette équipe France a extrêmement bien fonctionné, je mentionnerai les Émirats Arabes Unis, je mentionnerai également la Grèce avec Naval Group. Je pense que c'est très, très important. Et dans, les outils pour remporter ces compétitions export. Effectivement, Nicolas Chamussy a raison. L'outil, être capable également dans certains cas d'avoir des contrats de gouvernement à gouvernement devient important. C'est un outil que les États-Unis utilisent énormément. Et il y a des cas aujourd'hui de compétition dans lesquelles MBDA est engagé où on se dit que si on n'arrive pas à faire la même chose du côté français, on aura du mal à remporter ces compétitions. Donc je pense que ça, c'est un élément important. Sur les compétences et les recrutements, donc ça, effectivement, étant donné que j'ai dû raccourcir mon propos liminaire, j'ai pas pu beaucoup en parler. Donc merci d'avoir posé cette question. Je pense que c'est vraiment quelque chose de très, très important. C'est un enjeu absolument majeur. Quand on parle de ressources, souvent... les gens pensent systématiquement aux ressources financières, mais la ressource la plus importante, c'est la ressource humaine. Et nous avons un enjeu en termes de ressources humaines absolument énorme, puisque dans notre industrie, nous avons des compétences très, très pointues qu'il nous faut à la fois être capable de recruter, mais en plus, après, de continuer à former, d'entretenir. Et par exemple, pour MBDA, cette année, en 2023, nous pensons recruter plus de 800 personnes, 850 personnes, et ça pourrait même aller jusqu'à un millier. Donc c'est absolument énorme, parce qu'après, ces personnes, il faut les intégrer, il faut les former. Donc c'est vraiment un effort très, très significatif. Et donc sur cet aspect-là, je pense qu'un rôle très important que vous avez à jouer au niveau de la représentation nationale, c'est le rôle du discours finalement sur les activités de défense, sur l'importance de la défense nationale pour garantir finalement la sécurité et notre capacité à avoir ce genre de débat dans cette salle. Auprès de nos jeunes, auprès de la population, rendre cet aspect beaucoup plus connu et beaucoup mieux compris. Donc en gros, l'image de la défense en général et l'image de l'industrie de défense pour nous permettre, pour nous aider finalement à mieux recruter. Sur la notion de réserve industrielle, nous avons des compétences très, très pointues au sein de MBDA. Donc c'est quelque chose qui peut faire du sens sur certaines activités, mais probablement plus réduite que chez certains de mes collègues. Sur l'article 24, je pense que... on parle de sécurité, on est dans un enjeu de sécurité internationale, donc je pense qu'il est légitime que l'État s'assure de la capacité des industriels à augmenter les volumes
et ou les rythmes de production. Par contre, effectivement, il reste beaucoup de choses à discuter pour clarifier la façon dont l'État souhaiterait mettre en œuvre ces actions. Il y aura beaucoup de choses qui se passeront dans la rédaction, par exemple, des décrets d'application. Et donc, nous, du côté industriel, notre souhait, c'est d'être associé très, très étroitement à la façon dont tout ça sera finalement mis en vigueur. L'un de mes collègues tout à l'heure a mentionné le sujet des clients export. Donc, encore une fois, l'export, on en a déjà beaucoup parlé. L'export est important en termes de constitution de volant d'activité qui nous permet après de servir les besoins français. Donc c'est un enjeu stratégique et pas seulement un enjeu commercial. Et pour cet export, je pense effectivement qu'il faut faire attention à la façon dont serait et sera perçue les dispositions que prendra l'État français. Si un client export considère que finalement contracter avec un industriel français le met à risque, lui crée une incertitude insupportable en termes de livraison, eh bien forcément, il aura plutôt tendance à aller voir, en tout cas à considérer plus favorablement, des offres concurrentes. Donc je pense qu'il faut faire extrêmement attention à la façon dont on met ça en œuvre. Donc il y a des sujets à clarifier, il y a des sujets sur lesquels, dans le cadre de ce dialogue permanent, il faut avancer. Dernier point sur les coopérations. MBDA est l'essence même de la coopération qui non seulement fonctionne avec le Royaume-Uni, avec l'Italie, avec l'Allemagne, au travers de contrats de coopération. Sans cette coopération, aujourd'hui, la France n'aurait pas accès à l'ensemble du spectre d'armement que MBDA peut délivrer aux armées françaises. Et donc, c'est quelque chose d'absolument fondamental qui peut marcher et qui, bien que cette coopération existe, n'empêche pas de préserver en national des capacités de réaliser nos armements. Donc, par exemple, aujourd'hui, à peu près 90% de l'activité de MBDA est une activité, en tout cas pour les armées, qui est fournie en national. Mais on a une BITD, enfin un socle de fournisseurs qui sont capables de réaliser tout ce qui est nécessaire pour le national. Et bien entendu, pour tout ce qui concerne la dissuasion, les choses ne sont que nationales. Et je vois que je suis à 8 minutes, donc il faut que je m'arrête. Voilà. Merci pour essayer de conserver du temps pour la deuxième série. La parole est à Nicolas Chamoussi. Voilà. Merci, Monsieur le Président. Pour répondre peut-être à la question de Monsieur le rapporteur tout à l'heure sur l'export, Nexter, donc entreprise qui fait 4 500 salariés, autour d'1,5 milliard, un petit peu plus de chiffre d'affaires, on fait bon an mal an entre 40 et 50% de notre activité à l'export. Donc la dépendance à l'État, elle est là, mais elle n'est pas que là. Donc voilà, l'export est absolument fondamental. Je crois que mes collègues l'ont dit, je l'ai rappelé tout à l'heure. Alors comme idée, il y a effectivement ces contrats d'État à État light, enfin on va le faire en français, allégés, qui sont qu'on appelle, je pense, tous de nos voeux. Je voudrais juste rappeler une caractéristique un petit peu particulière de notre activité. Vous connaissez probablement le contrat CAMO. Alors, dont le petit nom veut dire capacité motorisée, mais à la limite, peu importe. Ce qui compte derrière tout ça, c'est un contrat, évidemment dans un cadre d'accord de gouvernement à gouvernement entre la France et le Royaume de Belgique, par lequel la Belgique va acquérir, ou a déjà acquis, ils sont en cours de préparation, des César, des Griffons, des Jaguars, des Serval, j'en passe et des meilleurs. Donc ça, d'un point de vue industriel, ça a un intérêt évident pour nous. Le premier, c'est que ça donne de la visibilité. Le deuxième, c'est que ce que commande la Belgique, ce sont stricto sensu les mêmes matériels que ceux qui sont commandés par la France. Alors derrière le stricto sensu, évidemment, on change, la cocarde n'est pas tout à fait la même. Il y a quelques 6 équipements spécifiques, mais
Pour 95%, les matériels sont les mêmes. Ce qui, pour nous, industriels, a évidemment de l'intérêt, pour nous, maîtres d'œuvre, mais surtout pour nous, chaîne de fournisseurs sur le territoire national. Mais je pense qu'il y a un deuxième aspect bien plus important, au-delà des aspects industriels, c'est l'alignement que sous-entend cet accord des modèles d'armée. Les modèles de formation vont être les mêmes. Les personnels vont être formés de la même manière. La structuration des régiments qui utilisent ces matériels vont être la même. C'est-à-dire que le nombre de personnes sera le même, le nombre de servants de pièces sera le même, le système de soutien sera le même, sera partagé, tout en garantissant l'autonomie stratégique de l'un et l'autre des pays, mais en mutualisant. Ce sont des montants assez significatifs pour Nexter. Et je pense qu'ils vont à nouveau bien au-delà de l'aspect industriel qui est important, mais aussi ce que ça veut dire même en termes d'alignement des pays, de soft power de la France. Et je pense que ce type de modèle mérite d'être pérennisé, d'être déployé. Alors vous savez qu'aux portes de la Belgique, si j'ose dire, se présente le Luxembourg qui veut bénéficier du même type de schéma. Voilà l'exemple type de sujet. Je ne sais même plus si on doit parler d'export, puisque c'est du partenariat industriel et étatique que j'appelle absolument de mes voeux. Peut-être pour répondre à Madame la députée Jeunetet tout à l'heure, l'article 24 et la réserve industrielle et plus spécifiquement les sujets des RH. Au risque de répéter ce qu'ont dit mes collègues tout à l'heure, mais évidemment la vitalité de notre industrie et la capacité qu'on a à livrer les matériels, c'est un truisme, mais rappelons-le, c'est quand même directement lié au capital humain, à la capacité à maintenir, à développer des compétences, dont certaines, et je vais répéter ce qu'ont dit mes collègues, mais sont très rares et longues à acquérir. Juste pour donner un ordre de grandeur, la montée en cadence impulsée par le programme Scorpion, dont on a bien parlé à Rouen, et la croissance marquée de Nexter depuis plusieurs années ont conduit à une augmentation de nos effectifs d'environ 1 000 personnes depuis 2017. Alors 1 000 personnes, c'est beaucoup, c'est pas beaucoup. Pour nous, ça représente 25% des effectifs, entre 20 et 25% des effectifs. C'est absolument significatif, y compris tout ce que ça entraîne en termes de formation des personnels, de formation aux questions de sécurité, d'apprentissage des métiers. Or, la capacité à recruter, ça reste pour nous Nexter, mais aussi pour tous ceux qui sont à cette table, un point de vigilance pour des raisons géographiques. On est dans des bassins d'emploi qui sont certains complexes, Rouen, Bourges, par exemple, rareté de compétences sur certains métiers. Là aussi, je vais répéter, mais les soudeurs, les usineurs, les assembleurs, les peintres et les métiers liés à la pyrotechnie, à la cybersécurité. Les soudeurs, ça a l'air de rien. La garantie que l'on fournit à nos soldats, à nos compatriotes qui vont être dans nos véhicules, que lorsqu'il y aura une mine qui va exploser sous leur véhicule, le véhicule résistera, ça tient en particulier, évidemment, à la qualité de conception, mais aussi à la capacité de soudure. Inutile d'insister, je ne parlerai pas au nom de Pierre-Éric Pommelet, la capacité de résistance d'un sous-marin, elle doit dépendre assez directement des performances en termes de soudure. J'imagine, je m'avance peut-être un peu, mais je pense. Un exemple dans le domaine des munitions, la pyrotechnie. La pyrotechnie, c'est un métier vraiment tout à fait particulier. Pour nous, pour former un opérateur par le biais du compagnonnage, il faut 6 mois, à minima 6 mois. Et ça, ça permet de former un compagnon. Quand on veut former un référent, c'est-à-dire quelqu'un qui est capable d'encadrer une équipe de manière autonome, là, on ne parle pas de 6 mois, on parle de plusieurs années, 3-4 années. Donc, on est sur des métiers très spécifiques, à long cycle de formation, et dont il faut absolument se préoccuper. C'est pour ça que, parmi d'autres, on a créé un campus pyrotechnique du futur à Bourges, parce que comme nos cousins de MBDA, on a aussi besoin de pyrotechniciens. Et puis, je vais juste faire une petite incidente sur la réserve industrielle citoyenne, qui est chère à mon cœur, puisque j'avais commis en son temps, il y a un peu plus d'un an, un article dans un grand quotidien de la presse économique française, un article ou un éditorial justement en proposant la création de cette réserve industrielle citoyenne sur un mode qui était un petit peu particulier, qui consiste à dire votre agent d'assurance, votre boucher, votre jardinier, on pourrait très bien lui proposer, comme dans les périodes de réserve opérationnelle, 1, 2, 3 semaines de période de réserve, qui chez MBDA, qui chez Naval Group, qui chez Nexter, pour que ces gens finalement commencent à acquérir des tournements, commencent à acquérir un affectio societatis.
On n'en fera pas d'eux des pyrotechniciens, on n'en fera pas des soudeurs du jour au lendemain. En revanche, le jour où on en aura vraiment besoin, quand on aura besoin de passer en économie de guerre, comme c'est le cas en ce moment, eh ben on aura une ressource sur le territoire national qui sera pas directement utilisable, mais qu'on pourra mobiliser et utiliser au sens noble du terme, de manière extrêmement rapide et bien plus rapide que si on devait recommencer un cycle de formation de A à Z. Si j'ai encore quelques minutes, je pourrais vous parler d'économie de guerre et de MGCS en réponse à la question du député Thiriot. Mais le temps... Désolé, Jean-Louis. Et puis la vôtre aussi, économie de guerre et souveraineté. Voilà. Je note vos temps de parole respectifs pour m'assurer que la somme des deux interventions soit bien à peu près la même pour tout le monde. Et donc, je passe la parole tout de suite à Emmanuel Levacher pour Arcus. Merci, Monsieur le Président. Donc, un des éléments de réponse sur la question de la dépendance, moi, je ne vois pas tout à fait ça comme ça. Donc, depuis 120 ans que nous travaillons avec l'armée française, c'est clair que c'est un véritable partenariat, plus qu'une dépendance. C'est un partenariat, comme il a été dit, qui est fondamental pour développer ces notions de souveraineté, de résilience, etc. Et c'est un socle, en fait, un socle, comme ça a été dit d'ailleurs, en utilisant ces termes de visibilité, de programmation, etc. Donc ce socle, il existe. C'est nos proportions, d'ailleurs, en termes de France Export, c'est à peu près ce qui vient d'être dit par Nexter et Naval Group. En moyenne de cycle, c'est du 60-40, 60% France, 40% export. Évidemment, l'export est stratégique, c'est-à-dire que c'est absolument indispensable pour maintenir ce niveau global d'activité. C'est plus, on va dire, un peu cyclique, aléatoire. Donc, il y a des hauts et des bas. Parfois, il y a des bas, des hauts. Mais clairement, l'accès au marché export, pour ce qui nous concerne, est toujours un challenge, mais jamais, aujourd'hui, ce n'est pas considéré comme un problème. Nous sommes présents dans 60 pays. Dans le monde, 60 pays utilisent nos matériels de tous les jours. Donc je pense qu'il n'y a pas vraiment de sujet de dépendance, si ça a été peut-être surinterprété par quelques journalistes, mais certainement pas notre propos. Concernant les conséquences, Madame la députée, sur les lissages scorpions, donc j'ai déjà dit, c'est clair que lisser, ça veut dire produire sur plus longtemps. Donc l'impact, ça veut dire qu'on adapte un peu nos chaînes pour qu'elles durent plus longtemps et produire sur une durée plus longue, mais ça pas forcément. Alors ça peut avoir des incidences, mais pas forcément calculé dans le détail. Ce qui est vrai aussi, c'est que ça suppose de prolonger le MCO des matériels existants. Ce MCO, il est bien sûr tout à fait possible, envisageable. On a des contrats de long terme pour cela. C'est clair que plus les matériels anciens sont prolongés et plus on peut avoir à faire face à des questions d'obsolescence de certaines pièces. Donc ça devient plus compliqué, c'est vrai, dans le très long terme d'entretenir des camions qui ont 50 ans d'âge. C'est sûr que c'est matériellement un petit peu plus compliqué. Mais encore une fois, ce que je dis en toute simplicité, c'est notre job de nous adapter à ces cycles très très longs. On a l'habitude de le faire. Quand aujourd'hui on entretient des VAB, par exemple les VAB 4-4 de l'armée de terre, ils ont été lancés en 1976. Ils sont encore en service, probablement, ils seront encore en service pour certains jusqu'en 2030, 2035 du coup. C'est notre métier et c'est d'ailleurs un savoir-faire unique qu'on souhaite vraiment préserver, de pouvoir gérer dans la très longue durée ces matériels. Encore une fois, vous l'avez mis aussi sous l'angle de la sauvegarde du tissu industriel. Et moi, je peux qu'aller dans ce sens, c'est-à-dire c'est très important qu'on arrive à préserver ces compétences, à la fois pour produire du neuf, mais aussi pour entretenir dans la très longue durée les matériels en service. Et ce sont, encore une fois, des compétences assez uniques. Sur cet exemple des plateformes terrestres, ce sera peut-être de plus en plus difficile, et c'est déjà le cas d'ailleurs, de trouver des mécaniciens, des gens qui simplement réparent des moteurs thermiques. Quand on devra le faire en 2040, 2050, c'est sûr que ça va devenir une denrée encore plus rare qu'elle ne l'est déjà aujourd'hui. Mais on se prépare à cela et c'est notre métier. Voilà, je m'arrêterai là. Moi, j'ai été particulièrement bref. J'ai peut-être un crédit pour la deuxième série. J'ai bien noté, Monsieur le Président. Vous êtes à 4 minutes et la parole est à Philippe Bouquet pour le comité Richelieu.
Oui, merci, Monsieur le Président. Je reviendrai sur quelques points. Une question a été posée, notamment sur le, c'est à la fois la dépendance, la dualité des entreprises. Alors, en ce qui concerne les petites entreprises, les PME, les ETI, ça fait assez longtemps que nous ne sommes pas concernés par ce problème de dépendance. La DGA, depuis, on va dire, le milieu des années 90, a très clairement fait passer le message aux PME qu'elle devait être duale et que c'était aussi à la fois un moyen d'assurer leur pérennité. Donc la plupart de nos entreprises sont toutes duales avec une proportion d'activité défense qui varie évidemment en fonction des activités et des moments. Ça a aussi un gros avantage, le fait de développer des applications, des produits, des services dans le domaine du civil permet aussi de répondre et de proposer des innovations au secteur de la défense sans avoir à supporter des coûts de développement spécifiques. Alors le corollaire, évidemment, je l'ai évoqué dans mon propos liminaire, c'est l'accès, le passage à l'échelle, comment on peut intégrer ces technologies dans un environnement particulier et dans une volonté que l'on a compris de la DGA de simplification, ben, on s'inscrit exactement dans, ces, dans cette optique-là. Donc on a pas, nous, ce problème, honnêtement, de dépendance, nos adhérents étant tous duo et travaillant à la fois dans le civil et dans le militaire, dans la défense. En ce qui concerne les problèmes de compétences et la question sur la réserve industrielle, je dirais tel qu'on peut la comprendre aujourd'hui, je dirais qu'à notre niveau, on considère que ça peut être une idée intéressante, mais on va rester, nous, très pragmatiques comme chef d'entreprise de petite entité. On attend les modalités pratiques et on espère surtout que ça sera simple à mettre en œuvre. Nous, ce qui nous fait peur, c'est les bonnes idées qui se traduisent par des choses très compliquées en fait en pratique et qui peuvent parfois nous faire renoncer à des dispositifs parce qu'ils sont beaucoup trop complexes pour nous. Sur la partie financement, pour répondre à votre question, je suis un petit peu embêté parce que je ne sais pas ce que racontent les banques ou les établissements financiers. Je sais, si je vous donne juste l'exemple de ma propre entreprise, les factures que je reçois, que j'envoie à MBDA, qui est mon client direct, sont refusés par certaines de mes banques. Voilà, c'est aussi simple. Donc, je ne vais pas vous raconter ce qu'on m'a raconté ou ce qu'on m'a dit. Moi, je le vis au quotidien, sous des prétextes de compliance. Et le fait que MBDA fabrique des missiles, eh bien, m'interdit de présenter mes factures à certaines banques. Donc, c'est une réalité. Je la vis tous les jours. Ce n'est pas une généralité. Ça serait faux de le dire. Mais je pense que sur ce sujet, il serait peut-être intéressant de réellement pouvoir faire une étude sur la réalité que vivent les uns et les autres au quotidien. Et évidemment, il ne s'agit pas de mettre tous les établissements bancaires ou financiers dans le même panier. Il y a certainement des subtilités. Maintenant, d'une manière générale, même hors défense, c'est de plus en plus complexe de répondre aux conditions et contraintes dès que vous voulez mettre un financement en place. On se retrouve avec des questionnaires et des engagements à prendre que, très honnêtement, si on les respectait à la lettre, on ne pourrait plus rien faire. Donc aujourd'hui, il y a peut-être un vrai sujet, effectivement, et qui est amplifié si on travaille dans le domaine de la défense. Ça, c'est très clair. Et alors, on peut saluer aussi quand même, parce que ça, c'est sur le quotidien, en ce qui concerne le haut de bilan, et notamment dans le cadre de transmission d'entreprises qui peuvent être stratégiques, il faut évidemment être attentif parce que la difficulté de se financer, vous avez aussi des fonds d'investissement qui sont assez réticents à investir dans le domaine de la défense. On peut saluer quelques initiatives récentes comme celle de Wimberg Capital. Il y a aussi Défense Angel. La BPI a mis en place des FINVEST. Ce sont évidemment des initiatives dont il faudrait espérer qu'elles puissent être multipliées parce qu'on en a besoin. Le risque étant évidemment que d'autres puissent s'intéresser à ces pépites et qu'elle échappe à agir à des actionnaires hexagonaux. Merci, si ça vous convient. Très bien. Et donc nous allons prendre la dernière salve de 6 questions pour le groupe démocrate. La parole est à Delphine Lingemann. Merci, Monsieur le Président. Messieurs, au nom du groupe démocrate, Modem et Indépendant, je tiens tout d'abord à vous remercier pour vos propos éclairants alors que nous nous apprêtons à examiner la future loi de programmation militaire. Comme vous le savez, l'ambition de cette future LPM est d'engager la transformation de notre modèle d'armée. Mais il n'y aura pas de loi de programmation militaire réussie sans un accompagnement de notre BITD, lui aussi réussi. Dans cette perspective, la DGA a annoncé vouloir consolider et renforcer l'agilité de notre BITD au cours des 6 prochaines années, en prêtant notamment une attention particulière aux PME, aux chaînes d'approvisionnement et au soutien aux exportations.
J'ai récemment eu l'occasion d'échanger avec des industriels de la défense à Issoire dans ma circonscription. Ce sont des fournisseurs de rang 1 qui m'ont fait part de plusieurs problématiques auxquelles ils sont confrontés. Par exemple, ils ont pointé la difficulté à trouver un équilibre entre leurs clients civils et militaires. La LPM 24-30 suppose une montée en charge des commandes militaires. Il sera difficile pour eux de continuer à honorer les commandes issues du civil, ce qui risque d'avoir des conséquences à moyen et long terme auprès de certains clients, notamment hors Europe. Or, vous savez comme moi combien il est important pour ces entreprises de conserver l'ensemble de ces clients. De plus, comme je l'évoquais hier soir avec Emmanuel Chiva, la loi de programmation militaire ambitionne de constituer ou de reconstituer des stocks stratégiques pour un certain nombre d'équipements, ce qui pose divers problèmes à ces entreprises. Autre sujet de préoccupation, la pénurie de main-d'œuvre qualifiée que vous avez évoquée et qui touche aussi de plein fouet les entreprises du bassin d'Issoire. À l'image de l'école des métiers internes développée au sein d'Arcus, certaines forment à plus petite échelle en interne des salariés sur les métiers en tension. Nous pourrions aussi parler de l'accès au financement des investissements ou encore le soutien à l'innovation. Ainsi, messieurs, vous représentez à la fois CPME et ETI de l'industrie de défense et les grandes entreprises en lien avec ces entreprises auxquelles vous sous-traitez la fabrication d'un certain nombre de composants des équipements que vous produisez. Quelles solutions proposez-vous pour accompagner vos fournisseurs face à la montée en charge des commandes militaires sur tous les volets précédemment évoqués? Et que pensez-vous de l'idée de financer ou au moins de cofinancer l'achat des stocks de matières premières afin de permettre à ces plus petites entreprises d'honorer leurs commandes? Je vous remercie. Merci. Pour le groupe socialiste, la parole est à Isabelle Santiago. Alors, tout d'abord, merci, Monsieur le Président. Messieurs, Madame, je vois une dame derrière. Donc, c'est très... En tout cas, je tiens à la saluer. Voilà. Et simplement, un petit peu comme hier soir avec Emmanuel Chiva, au fur et à mesure de nos prises de parole... Eh bien, une partie de mes questions ont eu des réponses. Donc voilà, article 23, je voulais vous évoquer l'article 23, l'article 24, on en a beaucoup parlé, le décalage des frégates. Donc je vais poser la question de ma collègue qui est partie sur un sujet qui reste bien évidemment dans l'esprit de ce que nous faisons ce matin. Mais du coup, ça m'a tout perturbé. il va falloir que je trouve une autre méthode. Un discours, c'est vrai, c'est développé, on l'a vu, sur des insuffisances des industriels pour expliquer les étalements de livraison. C'est vrai que c'est un sujet qui a été pas mal échangé et qui est souvent une réponse qui nous est donnée pour expliquer des situations. Mais on voit, au fur et à mesure des auditions d'ailleurs, que ça donne des éclairages un peu différents. Donc, qu'en est-il pour Naval Group et en particulier dans quelle mesure les exportations soutenues par l'État peuvent permettre d'assurer la pérennité des chaînes de production, même si les commandes françaises sont étalées? Quelle est la sensibilité du groupe en termes de savoir-faire aux commandes de frégates pour les armées françaises notamment? Concernant les coûts de fabrication et de fourniture de services, quelle inflation constatez-vous et quelles perspectives envisagez-vous pour les prochains mois et comment ce coût se répercute sur la tarification des commandes des armées qui s'échelonnent sur des années, sur le temps long? Ça nous intéresse particulièrement dans cette LPM, c'est un sujet qu'on aborde assez fréquemment. Le financement du passage de l'économie de guerre, dont les stocks, et plus largement, vous l'avez dit tout à l'heure, monsieur, pour les PME et ETI de défense, c'est également un point d'inquiétude. À cet égard, quel est le soutien fourni par la DGA, voire BPI France? On en a un petit peu parlé. Hier soir, j'évoquais auprès d'Emmanuel Chiva justement la dynamique autour de la BITD sur les problématiques de banque, qu'elles soient au niveau de l'Alliance Atlantique ainsi que sur l'Europe. Et donc, on a eu quelques réponses, mais c'est vrai qu'on voit à travers votre témoignage qu'il y a encore des soucis. Et il nous a été évoqué un correspondant banque. Alors, est-ce que c'est pour vous, en tout cas, surtout pour la personne qui nous a à l'instant précisé une problématique bancaire, est-ce que ce correspondant est visuellement quelqu'un de proche de vous?
Merci. Pour le groupe Horizon, la parole est à Jean-Charles Larsonneur. Merci, Monsieur le Président, Messieurs les Présidents Directeurs Généraux, Monsieur le Secrétaire Général. D'abord, un grand bravo pour votre travail inlassable au service de l'industrie de notre pays et à travers vous à celui de vos collaborateurs, très mobilisés depuis toujours et encore plus au cours de cette période. Je souhaiterais revenir sous un angle un petit peu différent. Alors, c'est vrai que beaucoup de questions ont été posées. Je rejoins notamment largement la question du collègue Thiriot. Je voudrais revenir sous la question des RH, abordée par M. Chamussy notamment, sous l'angle de la concurrence entre, en tout cas, des tensions naissantes entre la montée en puissance du nouveau nucléaire et la course aux ressources humaines rares dans des métiers que vous avez cités, tuyauteur, soudeur, chaudronnier. C'est une question que j'avais posée le 4 avril dernier à la secrétaire d'État Agnès Pannier-Runacher. Et donc la ministre m'avait répondu qu'elle envisageait un plan Marshall sur ce sujet crucial. Bon, c'est une expression assez forte. Je me demandais à quel point vous aviez été sollicité, associé à cette réflexion, semble-t-il, en cours. Et sur le même thème, parce que c'était un petit peu abordé. Est-ce que vous avez une préférence ou vous voyez un équilibre à trouver entre de la formation interne et la création peut-être de nouvelles écoles dans ces domaines, peut-être réparties sur le territoire en fonction, bien sûr, des spécialités requises. Une dernière question, puisque j'ai un petit peu de temps. En étant plus spécifique sur le plan de charge de l'Orient, on a beaucoup parlé de frégates, mais alors évidemment, il y a ce décalage, cet étalement des livraisons. On a parlé d'export, on a parlé de la marine de guerre hellénique. Est-il envisagé, le cas échéant, et bien sûr en fonction aussi des perspectives export, de construire à l'Orient d'autres types de navires? J'associe d'ailleurs mon excellente collègue Lysiane Métayer à cette question. Je pense à des patrouilleurs, je pense à des corvettes hauturières. Est-ce que peut-être d'autres formats de bâtiments pourraient être aussi envisagés sur le site de l'Orient? Je vous remercie. Merci. Donc nous avons trois questions complémentaires. La parole est à Jean-Pierre Cubert-Taffon. Merci, Monsieur le Président, Madame, Messieurs, chers collègues. Monsieur Pommelet, c'est vers vous que je souhaite m'adresser. Nous le savons, un des principaux enjeux de cette loi de programmation militaire sera, outre la poursuite de la modernisation des armées françaises, des efforts consentis en ce qui concerne notre appareil de dissuasion nucléaire. Cette loi de programmation militaire sera marquée, pour ce qui est de la composante océanique, par la construction au chantier Naval Group du premier des quatre sous-marins nucléaires lanceurs d'engins de troisième génération. S'agissant du porte-avions nouvelle génération, nous l'avez précisé, la mise à l'eau est prévue pour 2036-2037 et le passage de témoin avec le Charles de Gaulle aura lieu en 2037-2038. Le porte-avions à catapulte et brin d'arrêt reste le gage d'efficacité militaire maximale de la puissance en mer. Seulement nous, les Américains, sommes aujourd'hui capables d'une propulsion nucléaire et nous en sommes très fiers. Monsieur le Président, Directeur Général, à l'approche de l'entrée en vigueur de cette nouvelle loi de programmation militaire, quels sont pour vous les enjeux de Naval en ce qui concerne ces deux éléments indispensables à notre composante nucléaire? Et considérez-vous que les dispositions qui sont prises dans ce texte sont à la hauteur des ambitions de celui-ci et de sa volonté de maintenir notre dissuasion nucléaire, dite clé de voûte de la stratégie de défense? Merci. Merci. La parole est à Anne Le Hénoff. La parole est donc à François Cormier-Bouligeon pour la dernière question. Merci, merci Monsieur le Président, Messieurs les dirigeants de la BITD et tous vos collaborateurs que je salue à mon tour au nom du groupe Renaissance. Alors, rapporteur du programme 178, ma question va s'adresser à Monsieur Nicolas Chamussy. Il y a urgence à produire davantage, souverainement et plus vite, certaines de nos munitions. Je partage ce point de vue exprimé par le ministre des Armées, Sébastien Lecornu. Considéré comme une variable d'ajustement budgétaire depuis la fin de la guerre froide, les obus de gros calibre utilisés par les tirs d'artillerie sont devenus une denrée recherchée depuis le début du conflit en Ukraine. À Bourges, au cœur du Berry, Nexter et ses collaborateurs sont au centre de ce défi stratégique en alliant la qualité du travail de précision avec une production industrielle amenée à monter en puissance. En effet,
En février 2022, avant le déclenchement de l'invasion russe de l'Ukraine, Nexter produisait sur son site berruyer environ 40 000 obus par an. Pour répondre à la constitution, à la reconstitution souveraine des stocks de munitions, Nexter travaille aujourd'hui, vous l'avez rappelé, Monsieur Chamussy, à augmenter de moitié ses capacités de production d'ici à 2024. Et je le rajoute, mais vous pourrez peut-être préciser ou me contredire, à les doubler en 2025. J'aimerais vous interroger sur les trois facteurs déterminants en la matière dans le contexte de la LPM. Comment allez-vous faire face à cet enjeu par rapport à la pénurie de matières premières et notamment de poudre de propulsion, deux, par rapport à la pénurie de main-d'œuvre, et ce, malgré la création du campus de la pyrotechnie du futur à Bourges que vous avez rappelé tout à l'heure, trois, par rapport aux enjeux de logistique liés à la sécurité et à la périssabilité des munitions. Comment intensifier le flux de production des munitions et permettre le succès de l'économie de guerre dans le contexte de guerre économique que vous avez rappelé? Merci à vous. Merci. Écoutez, je vous propose de répondre donc dans l'ordre inverse du précédent tour. Donc, Monsieur Bouquet, vous avez la parole là. Je vais répondre plus particulièrement sur les sujets RH qui ont été réévoqués et complétés ce que j'ai dit précédemment. Aujourd'hui, je pense que, un peu comme pour les sujets de financement, on souffre d'un problème d'image. Il faut redevenir attractif et que les notions de souveraineté ne soient pas prises comme des sujets un peu repoussoirs. Et donc, je pense que c'est ce qui fera attirer. Et on a besoin, nous, on a besoin de jeunes. Quelqu'un posait la question de la balance entre la formation interne et externe. Aujourd'hui, le problème, il ne se pose plus. On est obligé de faire de la formation interne parce que, de toute façon, nous ne trouvons pas aujourd'hui les compétences à l'extérieur. Et je ne vais pas répéter ce qui est dit parce que même à notre niveau, moi, j'ai des soudeurs, j'ai du mal à en trouver, des opérateurs sur machine à commande numérique. Tout ce type de métier, on a du mal à les trouver. Contrairement à peut-être ce qu'on pourrait croire, ce n'est pas un problème de formation ou d'établissement de formation. Ils existent, ils sont vides. Donc aujourd'hui, le problème, c'est comment on fait pour les remplir et attirer des jeunes dans ces métiers. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est un problème, c'est très clairement un problème d'image, un problème d'orientation sur ces sujets-là. Pour s'être attaché à ce sujet sur mon territoire, je pensais qu'on manquait de classes. Ben non, les classes, elles existent, mais il n'y a pas de candidats. Voilà. Donc le vrai sujet, je pense qu'il est là. J'ajouterais aussi que sur la discussion qu'on pourrait avoir, il existait. Alors je ne sais pas s'il existe toujours, mais enfin, en tout cas, moi, j'ai participé jusqu'en 2020. Ça s'est arrêté avec la crise sanitaire. Au groupe de travail sur les industries de défense de l'Assemblée nationale, qui était un lieu où on pouvait échanger entre industriels, représentants, la DGA, sur des sujets. Et on avait abordé déjà à l'époque les problèmes même notamment de financement. Donc je ne sais pas si cette instance existe toujours. En tout cas, le comité est prêt à y contribuer et à pouvoir, au fil de l'eau, continuer à vous alimenter sur les problématiques que l'on rencontre au quotidien. Et voilà, moi, je m'en tiendrai là. Je pense que si on résout le problème d'image et d'attractivité, automatiquement, on récupérera plus de candidats et qu'on arrivera à former. Et je pense que les instances pour les former existent. Je rejoins ce qui a été dit sur le temps. Moi, quand je reçois un jeune soudeur qui sort d'école, c'est au minimum un an avant de le mettre sur des sujets complexes. Voilà. Donc ce sujet-là, on est de toute façon obligé de le traiter au quotidien. Et ça fait longtemps que nous recrutons des gens, toutes formations confondues, parce que de toute façon, si on se tenait strictement à des CV venant des métiers que l'on cherche, on ne les aurait pas. Bien, merci pour votre réponse. Monsieur Levaché pour Arcus. Oui, juste peut-être un élément pour répondre à votre question, Madame la députée, sur l'accompagnement finalement des sous-traitants ou fournisseurs pour les aider à faire, pourquoi pas, des stocks, y compris de matières premières. Premier commentaire, je pense que c'est intéressant, même si ça peut paraître un peu rétro, mais de raisonner en filière. C'est-à-dire, c'est vrai qu'on essaie de relocaliser un certain nombre de filières qui sont parties. C'est aussi important, je crois, de soutenir les filières qui existent encore. Et ces filières, évidemment, c'est souvent un maître d'œuvre industriel. Et derrière,
des sous-traitants, des fournisseurs, souvent d'ailleurs des PME, et localisés en France. Donc c'est évidemment absolument essentiel, puisque pour pouvoir monter en puissance, il faut que l'ensemble de la filière puisse suivre. Et souvent, effectivement, et on le fait peut-être de façon un petit peu trop curative aujourd'hui, on est amené à intervenir directement auprès de certains fournisseurs en difficulté de trésorerie pour les aider tout simplement et directement à acheter les matières premières dont elles ont besoin, les composants dont elles ont besoin pour pouvoir fabriquer et fournir. Donc peut-être effectivement qu'on pourrait imaginer une façon peut-être plus structurelle ou plus organisée, éventuellement accompagnée par l'État, pourquoi pas, hein, pour essayer justement d'entraîner ou d'embarquer toute la supply chain dans ces mesures de sécurisation de certains stocks critiques de composants de matières premières. Voilà. Mais aujourd'hui, je ne pense pas qu'on y ait tout à fait, mais c'est à nous, effectivement, industriels, de faire peut-être le premier pas et de trouver les moyens de le faire. À chaque fois, c'est évidemment de l'exigence en termes de cash flow, enfin de trésorerie à mobiliser pour se faire. Mais c'est le point clé, hein, pour pouvoir, au coup de sifflet bref, obtenir des montées en puissance rapides des supply chains. Et c'est souvent, alors, on a beaucoup parlé des goulets d'étranglement sur les ressources humaines. Le deuxième, évidemment, c'est sur la capacité des fournisseurs à suivre. Voilà. Je m'arrêterai là pour la réponse sur les sujets. Je pense s'adresser plutôt à mes collègues. Très bien, merci. Donc Nicolas Chamussy pour Nexter. Merci, Monsieur le Président. L'avantage, c'est que quel que soit l'ordre dans lequel on passe, je suis toujours au milieu. Voilà, ça, c'est très centriste. Je suis parfaitement au milieu. J'en profite. Alors, juste. Pardon ? Ah ben, si vous voulez me passer votre écharpe orange, je la prendrai. Juste un petit complément en réponse à la question de Madame Goemann et pour faire suite à ce que disait Emmanuel Levaché. On a depuis plusieurs années, la crise Covid aidant, ou si j'ose dire, et puis crise d'approvisionnement des matières premières, de composants électroniques, crise énergétique, etc. Depuis très longtemps, nous-mêmes, industriels, je crois qu'on l'a tous fait, et en accompagnement avec la DGA, mis en place des observatoires de nos fournisseurs les plus critiques. Pour vous donner un ordre de grandeur, chez Nexter, on en suit plus de 600 de manière plus spécifique, qu'on aide de la meilleure manière qu'on puisse, évidemment en trésorerie, mais aussi, pour répondre à votre question, en achetant des matériels en avance de phase. On a acheté des ébauchés de tubes, on a acheté des ébauchés de cordes d'obus. On achète parfois de la matière première en avance de phase pour aider nos partenaires industriels. On a acheté de la poudre quelques jours après le 24 février 2022. On a acheté plusieurs centaines de tonnes de poudre en avance de phase parce qu'on sentait bien malheureusement qu'il allait se passer quelque chose. Ça aussi, ça permet d'aider nos partenaires industriels. Oui, c'est une question qui nous taraude tous les jours. Si on n'aide pas notre chaîne de fournisseurs, on ne fournira plus des Césars, on ne fournira plus des Scorpions, on ne fournira plus de munitions et on n'arrivera plus à soutenir les forces qui ont besoin de nos capacités industrielles pour les aider. Un petit focus peut-être sur l'économie de guerre, ça permettra peut-être de répondre à la question du député Gillité tout à l'heure. Depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine, il y a vraiment une très forte impulsion politique pour que l'industrie passe en mode économie de guerre, pour aider l'Ukraine dans la durée et se préparer nous-mêmes à un conflit majeur. Alors, je voudrais juste rappeler les trois composantes pour nous, Nexter, mais je pense que c'est partagé par mes collègues, en matière d'économie de guerre. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire produire plus vite, ça veut dire produire plus et ça veut dire être plus souverain. Produire plus vite, juste pour vous donner un exemple sur les Césars dont on entend parler urbi et torbi, si j'ose dire, avant le déclenchement des opérations, le cycle de production était de entre 24 et 30 mois. C'est ça l'ordre de grandeur qu'il fallait garder en tête. On est maintenant à un cycle de 17 mois pour les Césars 6-6, qui sont ceux qui équipent les forces françaises. Comment on a fait ? On a priorisé les activités chez nous et chez nos fournisseurs. On a fait des achats anticipés de matières premières, de composants électroniques, de produits semi-finis. Deuxième sujet, produire plus. On était
avant, disons à la fin de l'année 2021, sur une cadence historique moyennée, ne la prenez pas sur un mois particulier, de l'ordre de 2 Césars par mois. C'était ça le cycle industriel qu'on avait mis en place. On va être, fin 2023, on sera passé à 6 par mois, et en courant de l'année 2024, on est en train de faire les derniers réglages, on va passer à 8 par mois. On a multiplié par 4 la cadence de livraison des Césars. Alors, ce n'est pas nous tout seuls, c'est nous avec toute notre chaîne industrielle, nous avec la DGA, nous avec les forces, parce que tout ça est un continuum entre l'industrie et l'État. On a aussi augmenté les capacités de production de munitions, mais j'y reviendrai en réponse à la question de François Cormier-Bouljean tout à l'heure. Produire plus vite, produire plus, être plus souverain. Être plus souverain. C'est une exigence forte qu'on a bien prise en compte, même si dans les faits, 95% de notre chaîne de fournisseurs est localisée sur le territoire national. Donc on avait déjà une densité de souveraineté, si j'ose dire, industrielle, déjà très forte. Mais l'exemple typique, ça a été la relocalisation de la filière poudre, ou une partie de la relocalisation de la filière poudre qui a été décidée, auquel on est partie prenante. Donc voilà les trois têtes de chapitre, si j'ose dire, de l'économie de guerre, au moins vue de Nexter: produire plus vite, produire plus et être plus souverain. Bon, voilà, avec les Césars et les munitions, j'ai essayé de vous donner quelques exemples. Je pense qu'on a été au rendez-vous. Il faut encore que ça se confirme, mais je pense qu'on est en bonne voie. Mais à ce jour, l'effort de mobilisation, il reste très largement autofinancé. On atteint la limite haute et cet autofinancement, il s'arrête où commence l'impératif de bonne gestion des entreprises privées que nous sommes. Donc voilà, c'est un cycle de discussion permanent entre nous et l'État. Je voudrais terminer sur ce point économie de guerre pour que ça ait une vraie dimension transformationnelle. Pas de réponse immédiate, mais transformationnelle, et qu'on change fondamentalement les fondamentaux de cette redite sur lesquels la mobilité est fondée depuis plusieurs décennies. Il va bien falloir que cette logique s'inscrive dans le long terme et fasse l'objet d'un partage des risques adapté entre l'État et l'industrie. On en discute tout le temps, et je pense que cette LPM, avec toutes les dispositions qu'elle prévoit, est un élément extrêmement important. Alors, plus spécifiquement sur les munitions, peut-être ça répondra aussi à la question du député Cubertafont tout à l'heure. Notre outil industriel munitionnaire, très orienté production de munitions d'artillerie et de chars, bien entendu, donc plutôt du gros calibre, je peux vous confirmer, s'il y avait le moindre doute, qu'il tourne à pleine cadence. Je le disais tout à l'heure, on a commencé dès le, pas tout à fait le 24 février, mais disons au début du mois de mars, on a commandé un nombre extrêmement significatif d'ébauchés de tubes auprès d'Aubert et Duval, dont je ne peux que saluer la fin de cet épisode qui a duré un petit peu longtemps sur la restructuration du capital. Maintenant, c'est fait. On a acheté beaucoup d'ébauchés de tubes et de tout ce qu'il faut en pièces forgées. On a acheté énormément d'ébauchés de cordes obus. On a acheté de la poudre, on a acheté des explosifs. Sur le sujet... Alors, donc je redis ce que j'ai dit tout à l'heure. On était sur une base de production en France et en Italie de l'ordre de 60 000 obus par an. C'était ça à peu près l'étiage auquel on est actuellement. On va ajouter 50 % de capacité, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Ça, c'est engagé. Et ce sont des investissements industriels. On a acheté des machines, on a acheté des mètres carrés, on a fait des stocks, et on a même embauché du personnel qu'on a commencé à former. D'ailleurs, pour répondre à une question tout à l'heure, sur ce type de métier, qui sont en particulier les gens qui coulent l'explosif dans les obus, il n'y a pas vraiment d'école de formation en France. La meilleure école, c'est chez Nexter, et c'est du compagnonnage. Donc, augmentation de 50% de la capacité, et comme je l'ai dit tout à l'heure et comme je l'ai écrit au commissaire Breton, on est en mesure, on a mis en place un plan pour doubler à nouveau cette capacité à l'horizon 2025. Donc je vous confirme effectivement ce que vous aviez en tête. Le plan est là. En revanche, on a atteint un peu la limite de ce qu'on était capable d'autofinancer. À un moment, il va falloir qu'on fasse ça de manière coordonnée avec l'État et avec la Commission européenne, pour lesquelles, vous avez certainement noté, il y a un intérêt tout à fait particulier sur le secteur munitionnaire.
Merci. Voilà, si j'ai... Bon. Oui. Non, juste une petite incidente sur le Charlourd. On ne peut pas ne pas parler de Charlourd et de MGCS, enfin, il me semble. Bon, le programme MGSS étant ce qu'il est, il y a eu des discussions industrielles. Vous savez qu'on a finalisé un accord industriel à la fin de l'année dernière qui permet de lancer les étapes suivantes du programme MGSS. Le ministre Sébastien Lecornu a échangé avec son homologue allemand il y a quelques jours. Je pense qu'on aura quelques informations dans les prochaines semaines. Le programme MGSS reste en ligne de mire pour la préparation de l'avenir d'un programme de chars de combat en coopération avec l'Allemagne. Je crois que le ministre s'est exprimé lui-même à plusieurs reprises. Il faudra une solution intermédiaire d'une manière ou d'une autre pour succéder au char Leclerc, solution qui s'impose petit à petit du fait du contexte ukrainien et de l'arrivée de chars avec de nouvelles capacités. On a proposé, vous les avez vus les unes et les autres, probablement le concept de MBT, qui est un char qui capitalise sur les compétences et les acquis en Allemagne et en France de la société du groupe KNDS auquel Nexter appartient. Voilà, il a été présenté à Eurosatory en 2022. Il fait clairement partie des solutions envisagées en réponse à la demande du ministre de trouver une solution intermédiaire, quoi qu'il arrive. Merci beaucoup. Je vous propose de vous partager les 12 minutes qui restent avec 6 minutes chacun. Monsieur Béranger pour MBDA. Merci. Moi, je voudrais revenir sur sur les relations avec les PME, les ETI, les sous-traitants. Je pense que le mot important ici, c'est vraiment le mot de filière. Il y a une filière missile. Les sous-traitants de MBDA, c'est 1600 sous-traitants. Ça représente la filière missile au total, ça représente 13 500 emplois. Et comme l'a dit Nicolas Chamussy, on est tous complètement dépendants les uns des autres. MBDA ne peut pas remplir sa mission vis-à-vis des forces armées sans ses sous-traitants, et ses sous-traitants dépendent de MBDA, ce qui fait que nous avons bien entendu mis en place des équipes et un dialogue absolument permanent avec ces sous-traitants. Pendant la période Covid, nous les avons surveillés de très très près, avec en particulier 26 d'entre eux pour lesquels nous étions vraiment à leur chevet, et nous avons déployé des actions d'anticipation de cash, enfin tout un tas d'actions pour vraiment s'assurer qu'ils restaient en vie. C'était absolument fondamental. Et aujourd'hui, bien entendu, dans un monde qui est différent, nous continuons cette relation. Nous sommes un acteur majeur de pacte PME. Nous avons mis en place avec eux un tissu d'open innovation pour progresser, pour les emmener avec nous. Nous faisons très très attention au sujet de recrutement, parce qu'on considère que le sujet de recrutement, il est chez nous, mais il est également chez eux. Je suis l'un des premiers à avoir soulevé le sujet des financements pour les petites structures, parce que beaucoup, à travers ce réseau, beaucoup de nos sous-traitants nous faisaient remonter des difficultés. Donc c'est vraiment quelque chose de très très actif. Et en termes d'anticipation, comme je l'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui, MBDA assume un risque financier de plusieurs centaines de millions d'euros en termes d'anticipation auprès de ses fournisseurs pour anticiper ce que nous voyons venir de besoins de la nation. C'est comme ça que nous avons pu prendre un contrat en début d'année, en janvier, sur des missiles Aster, à la fois pour la France et pour l'Italie, pour lequel, si nous n'avions pas anticipé, le délai de fourniture aurait été 6 mois plus long. C'est comme ça que nous travaillons avec nos fournisseurs également pour augmenter la cadence de production des Mistral, puisque nous sommes en train de passer de 20 par mois à 40 par mois. Donc tout ça est vraiment très très actif. Ce qui m'amène d'ailleurs dans le cadre de l'économie de guerre, je pense que l'économie de guerre, c'est produire plus, produire plus vite, mais c'est aussi être plus résilient. Et dans le être plus résilient,
Il y a une dimension nationale, mais je pense qu'il ne faut pas complètement négliger non plus la dimension de coopération et d'utilisation également de sous-traitants étrangers, potentiellement comme double source, en conservant toujours la possibilité de faire en national, bien entendu, mais je pense que la résilience est quelque chose de très important. Ce qui m'amène à terminer sur sur la coopération, puisqu'il me reste 2 minutes 20, si j'ai bien compris, même 3 minutes, oui, 2 minutes 20. Non, j'avais 6 minutes. Et donc, simplement pour répéter que cette coopération, c'est vraiment l'épine dorsale de MBDA. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, la France a accès à l'ensemble du spectre en termes de capacité, en termes de missiles. D'insister en particulier sur l'aspect de frappe dans la profondeur. Aujourd'hui, cette coopération, on a d'un côté une grosse composante en défense solaire autour des Aster, par exemple, mais on a une composante très très forte en termes de frappe dans la profondeur, tout ce qui a été fait autour de Scalp, Storm Shadow avec le Royaume-Uni et ensuite l'Italie qui est venue le rejoindre ensuite. Et maintenant, il est très très important de préparer la prochaine étape qui est FMAN-FMC. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les référents dans le monde sont en train de consacrer énormément d'énergie à maintenir une position et à créer une position en termes de frappe dans la profondeur. La France a la capacité de faire ça grâce à cette coopération et à ses compétences industrielles. C'est aujourd'hui dans la loi de programmation, c'est cité, FMAN-FMC, et je pense que c'est très très important. Merci. Merci. Et enfin, on termine avec Eric Pommelet pour Naval. Voilà. Ah, ben, je vais pouvoir parler un peu plus longtemps. C'est illimité maintenant. Voilà, maintenant c'est illimité. J'ai juste limité, je pense, par le souci qu'ont les uns et les autres de poursuivre leurs occupations. Quelques questions qui ont été directement adressées à Naval Group auxquelles je vais répondre, et puis des questions un peu plus générales. Peut-être sur les questions de Naval Group, monsieur le député Cubertafont, vous avez posé la question de savoir si finalement la LPM est à hauteur des ambitions et en particulier des très grands programmes que sont sous-marins nucléaires lanceurs d'engins et porte-avions nucléaires. Donc ma réponse est clairement oui. Et surtout en ayant écouté le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, qui a affirmé que les calendriers seront tenus. Et les calendriers des programmes sont bien ceux qui permettent d'assurer la hauteur de nos ambitions, et notamment dans le domaine de la propulsion nucléaire, de ces navires à propulsion nucléaire qui fait une des spécificités de la France. Et parlant du nucléaire, rebondir sur ce qu'a dit Jean-Charles Larsonneur, finalement, est-on en compétition ou est-on complémentaire ? Je rappellerai que dans les années 70-80, la France a fait 6 sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, 6 sous-marins nucléaires d'attaque et un programme électronucléaire extrêmement ambitieux. Donc la France l'a fait, il n'y a pas de raison. Le deuxième point, et peut-être c'est mon côté optimiste, mais c'est que je pense qu'on est dans une meilleure situation côté industrie de défense qu'on y était il y a quelques années. Naval Group est une entreprise qui coche 3 cases, industrie, défense, nucléaire. Il y a quelques années, l'industrie était vue plutôt par les plans sociaux dans les usines, on fermait les usines. La défense était considérée comme finalement nécessaire, mais dans le cadre des dividendes de la paix, pas forcément obligatoire dans certains secteurs. Et le nucléaire, je ne vous en parle pas. Aujourd'hui, relance du nucléaire, la défense, évidemment, dans cet environnement de guerre en Ukraine, mais aussi de nécessité de la France de tenir son rang, est revenue au premier rang. Et vous aurez la lourde charge de le confirmer en tant que représentation nationale. Et l'industrie est revenue aussi ou reprend des lettres de noblesse. Donc, industrie défense nucléaire est redevenue attractif. Après, il nous faut travailler. Je crois que ça a été dit par mes collègues, tous ensemble, pour faire en sorte que notre filière, notre secteur attire les jeunes et attire les familles. Je crois que tu l'as dit, finalement, les centres de formation existent. Il faut maintenant y amener nos jeunes. Et en tout cas, s'ils n'existent pas, de continuer à travailler. Je vais citer 2 exemples dans le domaine naval. Ce que nous faisons avec l'éducation nationale, le CINAV, Campus des industries navales, où l'industrie navale s'est regroupée pour orienter des formations existantes, pour les navaliser, pour leur donner un label naval et pour convaincre des jeunes de venir travailler dans nos chantiers civils et militaires, le CINAV. Et un autre exemple, FAIS. Alors FAIS,
ça va être une école de soudure en commun, on a beaucoup parlé de soudure, à Cherbourg, avec EDF et Orano et Naval Group, pour faire une école de formation en commun, pour former des jeunes soudeurs de demain dans le domaine du nucléaire. Vous voyez, on est capable de se réunir et finalement, je le vois plutôt comme une complémentarité. Alors après, il faudra qu'on soit attractif, il faudra qu'on propose des carrières, des perspectives de carrière et un environnement, évidemment, qui permette à tout un chacun de se développer. Voilà, mais maintenant, quand on parle d'industrie de défense et nucléaire, on en parle plutôt positivement qu'il y a quelques années. Voilà, il nous faut encore travailler pour attirer les jeunes. L'étalement des livraisons. Alors, et je crois qu'Emmanuel Kiva l'a dit hier, je crois que le souci est aussi de faire de la place pour des nouveaux programmes. Alors, on ne peut qu'espérer qu'un certain nombre de ces programmes, en tout cas pour Naval Group, soient dans le domaine naval. Mais moi, je constate qu'il y a une stratégie grand fond qui va créer des nouveaux objets, voire des nouveaux navires, et en particulier le discours et le message sur les drones. Parce que qui veut maîtriser les fonds marins les maîtrise certes avec des sous-marins nucléaires, mais aussi avec des drones et des drones sous-marins. Et donc l'ambition grand fonds marins, l'accroissement d'investissement dans les drones me permet à chaque fois de rappeler que les drones ne sont pas uniquement dans l'air. Les drones aujourd'hui sont sur la terre avec des robots terrestres, Emmanuel Kiva l'a rappelé hier, mais aussi à la surface de la mer et sous la mer. Demain, les océans seront truffés d'objets autonomes, pilotés par de l'intelligence artificielle, de l'autonomie décisionnelle contrôlée, toujours avec un humain dans la boucle. Et il est extrêmement important, évidemment, que cette LPM porte aussi cette ambition de grands fonds marins et de drones. Après, et vous avez mentionné le chantier naval de Lorient. Le chantier naval de Lorient s'est énormément modernisé ces dernières années. Pour être capable d'arriver à un rythme de production de 2 frégates corvettes par an, que nous allons atteindre en 2025-2026, pour servir les besoins de la France et de l'export. Le chantier naval de Lorient a toujours vécu sur la complémentarité entre la France et l'export. Et je peux vous assurer que nous avons un dialogue permanent avec le ministère des Armées pour l'identification prévisionnelle de la charge du chantier de Lorient. Parce que si on veut faire des frégates demain, ben, il faut qu'on en fasse aujourd'hui. Et si on veut en faire après-demain, il faut qu'on en fasse demain. Et avec un rythme suffisant pour maintenir et développer les compétences. Donc c'est un sujet d'attention. Mais je crois, monsieur le député, vous avez posé la question de savoir si on pouvait fabriquer autre chose que des corvettes et des frégates. Alors, je rappelle, les frégates FDI, frégates de défense et d'intervention au service dans la marine nationale et la marine grecque, dont les 2 années qui viennent vont être, j'en suis sûr, très visibles sur le marché par leur performance et leur capacité. Nous faisons aussi des corvettes, les fameuses corvettes Go-Wind qu'on a vendues à l'international, qui peuvent aussi intéresser la France pour certaines missions. Mais nous pouvons aussi réaliser à Lorient des bâtiments de guerre des mines qui, d'ailleurs, puisque j'ai parlé de drones, sont aujourd'hui des bâtiments porte-drones. Le premier d'entre eux pour la Belgique et les Pays-Bas, et on espère que la France va rejoindre dans le cadre de cette LPM le programme, sont véritablement des navires extraordinairement innovants, capables de mettre à l'eau et d'entretenir des flottes de drones pour la mission de guerre des mines, mais aussi pour la maîtrise des fonds marins. Voilà un bateau que nous pouvons aussi réaliser sur le site de Lorient, mais je peux vous assurer qu'il y a un dialogue permanent. Alors, je vais terminer, je suis à 6 minutes. Non, juste, vous avez posé la question de l'inflation, je crois, et l'augmentation. Et c'est vrai qu'on était venu devant la Commission au moment de la crise énergétique, crise des matières premières, pour faire part de nos inquiétudes. Bon, très sincèrement, aujourd'hui, le coût des matières premières, on va dire, revient à des niveaux raisonnables, et notamment en ce qui nous concerne l'acier ou certaines autres matières premières. On a parlé d'Aubert et Duval, fournisseurs extrêmement importants d'ailleurs dans notre supply chain aussi. Le coût de l'énergie impacte la performance de nos chantiers navals. Donc là, il y a toujours une inquiétude, mais on y travaille. En tout cas, on n'est peut-être pas dans la situation d'il y a quelques mois. Voilà. Après, l'inflation, c'est un mal pour tous, parce qu'on sait bien que l'inflation impacte nos coûts et donc impacte aussi la capacité des États à réaliser tous les matériels dont les armées ont besoin. Voilà, je pense que la lutte contre l'inflation est absolument nécessaire pour notre secteur aussi, en tout cas pour lui permettre de se développer. Voilà, je crois que j'ai adressé toutes les questions qui allaient vers Naval Group, monsieur le Président. Merci. Et donc moi, je vais essayer de conclure en une minute pour déjà vous remercier tous les 5 pour votre participation de ce jour très, très éclairante et vous dire, mes chers collègues, qu'avec des matériels exceptionnels, nous étudierons cet après-midi les conditions de ceux qui servent ces matériels exceptionnels avec l'audition à 15h de la DRH MD. D'ici là, je vous souhaite un bon appétit à tous.